Bon, eh bien, salut à tous, c'est L4, bienvenue à tout le monde. Ah oui, à 1 km de chez toi, quand même, carrément, c'est énorme. Donc c'est l'aile ou la cuisse, hein, pour les gens qui n'auraient pas eu droit à cette musique de fou furieux. Salut, Rock Loris, bienvenue à toi. Oui, effectivement, il y a plus de modos que d'habitude, hein, parce que... Tricatel, excellent. Parce que moi, j'ai gagné une étoile, ici, là. Voilà. Parce que Aizen et Devil ont été promus, Devil Dana ont été prévus, promus modo, quoi. Parce qu'il n'y en avait pas assez pendant l'E3, en fait. Et ça aussi, c'est grâce à l'E3, hein, l'étoile. Parce que grâce à l'E3 et mes vidéos live sur les conférences de l'E3, oui, effectivement, le casque, c'est pas le même. Je vais vous expliquer pourquoi. Salut, Rock Loris, je sais pas si je t'ai dit. Oui, presque tout. C'était ça ma crainte, en fait. C'est pour ça que. Mettez-moi modo aussi, Michel Modo. C'était ça ma crainte en fait, c'est que y allait avoir que des épées quoi à partir de maintenant. C'est pour ça que je l'ai pas fait plus tôt pour Aizen et Devil, mais pour l'E3, j'ai pas eu le choix. Hein. Au final, ça n'a pas changé grand chose parce qu'il n'y a pas eu vraiment de débordement, mais bon. Mais c'est pas grave, il faut qu'il y ait du beau modo. Maintenant, je vais pas les démodes, ça se fait pas quoi. À modérer avec modération. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va se réserver de beau? Parce que, alors pourquoi le casque? D'abord, je vous explique. Normalement, en haut de votre écran, là, en haut du chat, vous devriez avoir, ici, là, vous devriez avoir un nouveau bandeau qui est apparu. Salut, Sid, bienvenue à toi! Excellent, Z-Sid. Sid8. C'est la première fois que tu viens, non? Ou la deuxième, peut-être. Et salut, Kankuro, bienvenue à toi. Lui aussi, deuxième grand absent de mes vidéos sur l'E3, j'ai envie de dire, Kankuro, avec Steph. Comment t'as fait donc, Kankuro? Tu l'as regardé tout seul dans ton coin, l'E3 ou chez quelqu'un d'autre? Je vous avais dit de toute façon, vous faites ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de problème. Donc, l'E3 chez L4, en live, ça s'est bien passé. On s'est. Sérieux, t'as regardé Sid, mais c'est énorme. Salut, Cassoulet, bienvenue à toi. Méga surpris, quoi. Content d'apprendre que ça t'a plu. Raison de plus de continuer, j'ai envie de dire. Ok, il me semblait bien que c'était la deuxième fois aussi. Bah écoutez, les lives de l'E3 avec moi, ça s'est plutôt bien passé. C'était cool. On le refera l'année prochaine. Je pense qu'il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Il y a juste un truc qui m'a gonflé. C'est. Malheureusement, je comprends pas comment ça se fait. C'est un truc de fou. J'étais chez Bibi et au Cradouille. D'accord. La fatigue. Mal réagi à un de mes messages. Il a été vesqué! On triture pas les amis Bibi et Ocrate. Pour la peine, tu vas te prendre un ban, Kankuro. Et pour le fait de ne pas avoir été présent chez moi aussi. Non, je déconne, le faites pas, les gens. Surtout que là, il y en a plus que d'habitude. L'année prochaine, juste pour être Michel Modo. Salaud. Parce que c'est les images drop. Voilà, les images drop qu'on a eues, le lag chez certaines personnes. Ça a été surtout chez Camille. Chez K2M, le live a ramé, je le voyais de toute façon avec les images drop, hein, mais ça le faisait pas tout le temps, ça qui est naze. C'était de l'ordre de 60%, voilà, des conférences. Parfois ça le faisait, parfois ça le faisait pas, alors que j'ai fait strictement pareil à chaque fois. Faudra m'expliquer. Voilà, le point noir c'était les freezes, ouais, exactement. J'ai pu rattraper les confs avec les rediffs. Bah ouais, t'as vu le jour même ou le lendemain, j'ai envie de dire, sur YouTube. T'as insulté Nayer. Non, il me semble pas. Ah, c'est pour le ban de Kankuro. La conf Sony a été particulièrement pourrie. Alors attention, je préviens. c'est dommage parce que j'aurais bien voulu savoir l'avis de Sid, de Olex, de Kankuro, les gens qui n'étaient pas là pour me le dire, hein, ce qu'ils en ont pensé. J'avais envie de vous demander, vous en avez pensé quoi de l'E3? Mais il faut éviter de spoiler pour les gens comme Steph qui n'ont pas encore regardé l'E3, donc je vous demanderai de minimiser les annonces, hein, pour pas leur gâcher la surprise à eux, parce que eux ils mettent 2 mois, hein, pour regarder l'E3. Donc voilà, c'est comme ça. Les trailers qui m'intéressaient, je les ai re-regardés en Full HD sur YouTube. Voilà, nickel, splendide, c'est ce qu'il faut faire. Alors, vous devez voir un bandeau du fait que je suis passé affilié grâce aux vidéos sur l'E3. Hein. C'est plusieurs conditions qu'il faut pour être passé affilié après ses partenaires. Le truc du dessus, on ne le fera pas, je pense, partenaire. Et Sony en tête, Last of Us 2 du lourd. Encore, t'es gentil. L'annonce du FF7, génial. Shenmue 3, voilà.
les stars de l'E3, j'ai envie de dire, lol, ironie, c'est que ne le faites pas, hein, ne m'envoyez pas de cheers. Hein. J'ai envoyé un mail à Twitch pour essayer de sortir du programme affilié. Parce que j'ai pas envie que les gens... Moi, j'avais fait ça pour les émotes personnalisées. Hein. Mais quand j'ai vu que tu pouvais pas choisir toi-même la somme que tu voulais pour le... Parce que, en fait, les émotes personnalisées, en fait, si tu payes une certaine somme, premièrement, c'est 5 euros, tu as le droit à une émote personnalisée du L4. C'est comme ça chez BB300, par exemple, et chez la plupart des autres. Hein. Deuxièmement, ah bon, tu le vois pas, envoyer un cheer maintenant pour être numéro 1. Pour vous, c'est ici, là. Encore plus en haut, là. Un truc en violet, là. C'est très, très modeste, hein, très, très furtif. Hein. Deuxièmement, c'est 15 euros. Et troisièmement, c'est 25 euros. Et je voulais choisir moi-même ma somme, hein, faire 1, 2 et 3 euros, par exemple. Voire 0,5, 1 ou, et 1,5. Hein, les boutons abo. Sur YouTube, un nouveau... en fait, au niveau strike. Alors, ben, bizarrement, j'avais envie de le dire à BB300, parce qu'il a dit sur Twitter qu'il ne balancerait pas les rediffs live cette année pour peur du strike. Je n'en ai pas eu. Voilà. Sauf pour Capcom. Voilà. Tu sais, au moment, à l'annonce d'un de leurs jeux. Voilà. Pendant la conférence Microsoft, là j'ai eu 4 strikes pour la conférence Microsoft. Enfin, c'est pas des strikes, mais c'est des. Tu sais, ils te préviennent que y a les droits d'auteur sur les images. Voilà, il y a un moment sur les pour le jeu de skateboard, là, pour les musiques. Mais c'est tout. Le reste, j'ai rien eu. C'est incroyable. Je crois, hein, même chez Nintendo. L'annonce de Half-Life 3, de la merde. Pas assez connu, L4, il passe sous les radars. J'ai dit pas pour tout le monde. Attends. Ocrad, il a dû arrêter de dire que c'est mauvais, il y a des gens qui aiment. Après, Ocrad sort au calme, chiant sur 20. Parle pas pour tout le monde. On n'a pas le droit de dire quand on trouve ça nul. C'est toi qui te plains. Je sais pas, c'est un peu compliqué. C'était sur quel jeu? Parce que, regarde, là, la conférence Nintendo où ça a duré je sais pas combien de temps, là, pour 80% de la conf sur un certain jeu, voilà. T'avais le droit de dire que c'était chiant, même les fanboys de Nintendo, ils disaient « Bon, next, please !» Et après, voilà, j'ai envie de dire, donc comme ça, tout le monde est content. Doigt d'honneur, excellent. Non mais voilà, c'est tout, on va pas s'attarder sur l'E3, je ferai probablement une vidéo en off séparée ou sur le vidéo test de la semaine prochaine, pas celle-là, parce qu'elle a été déjà faite avant l'E3, pour expliquer ce que j'en ai pensé pour les gens qui regardent pas les lives, voilà, point barre. Bon, écoutez, aujourd'hui on va jouer à L4. Voilà, et c'est pas un jeu fait par moi, hein, et c'est pas des conneries, hein, vous allez voir. On va jouer à un jeu qui s'appelle L4, ceux qui viennent sur Twitter le savent déjà, hein, ils ont déjà vu. Il y a un jeu Steam sur L4 qui est sur un jeu Steam qui s'appelle L4 et qui est sorti hier, mais vraiment pareil que mon pseudo, juste avec un C majuscule, comme quand Tsumishi, voilà, c'est ça, exactement. Il écrit mon pseudo, il l'écrit comme ça. Hein. Vous allez voir. On va jouer à un jeu qui s'appelle L4, c'est pas des conneries, il est sorti hier et il coûte 1,5 euros. Donc oui, c'est évident qu'à ce prix-là, je l'ai acheté. Et c'est juste pour le délire, hein. On va le stream... voilà, les droits d'auteur et tout. On va le stream sans problème. Peut-être plusieurs fois, d'ailleurs. L'un des trucs chiants, c'est qu'il se met pas en plein écran, le truc. Hein. Ah, c'est ça. Bon, à mon avis, c'est un jeu, un espèce de jeu flash. Hein. Les meilleures conférences, celle de Square. Regardez en priorité. J'ai cru que c'était le sujet. Alors, est-ce que ça marche, la manette? Non, mais le support du contrôleur, c'est pour bientôt. Là, pour l'instant, on va devoir jouer au clavier. Le jeu n'est pas en français, hein, t'as vu? C'est vraiment un jeu de niche, hein, un jeu très, pas très développé. Regardez, dans les options, il n'y a que l'audio. Donc, voilà, quoi. J'imagine, voilà, que les options master. On est en master. Et donc voilà, on va voir ce que c'est, hein, on va y jouer ensemble. Y a pas de... je crois que la manette fait déconner. Hein. Ouais, c'est ça. Si, le truc est déconné. Putain, mais merde.
La manette fait déconner. Hein. C'est comme quand on jouait à Dark Souls, vous vous rappelez? Le joystick haut est coincé vers le haut. Hein. Ça fait avancer le personnage tout seul. Hein. Je reboot rapidement. Oui, Miami Vice un petit peu. Skull and Bones. On s'en va en guerre. Mais bon, c'est vrai que ça nous parle plus ou moins à tous, hein, j'ai envie de dire. Stato! Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Ouais, c'est ça. Donc j'ai envie de dire, prends ça! Alors, il nous explique, là, t'as vu comment on se déplace. On est cette espèce de chat blanc avec la cape de ninja, là, rouge, une espèce de bandeau. C'est lui, le L4. Hein. c'est trop bizarre de dire ça. C'est quand même du gros what the fuck, hein, un jeu qui s'appelle pareil que ton pseudo. Se fait rembourser, non. EL4, quoi encore? Ce chat a une érection. Ah oui, c'est vrai! Quand on met comme ça, on dirait que c'est sa teub, effectivement. Mais en fait, c'est un pistolet. Ou une épée, je sais pas. Mais regarde, c'est un espèce de flingue. Il y avait même pas d'effet sonore. Hein. Salut, Amo, bienvenue à toi! Il tire avec sa teub, mais oui, on dirait trop une teub comme ça. Bien de me le faire remarquer, j'avais pas fait gaffe. Snake en vrai 2019, une épreuve sur le jeu. Bah écoute, on le fera plusieurs fois, hein, dans plusieurs lives, pour ceux qui n'ont pas la chance d'être présents. Ah, le son du jeu est légèrement fort. Gérard Mentor, alors je vais mettre à 26. On était à moins 22, là on est à moins 26. Normalement ça devrait aller un petit peu mieux. Bon, il nous explique, hein, A, W, S, D, là, ou alors les touches directionnelles, au bas, gauche, droite, pour monter comme ça, clic gauche avec avec ça, là, pour tirer, ça fait trembler l'écran, clic droit pour ramasser cette arme, là, et là, maintenant, on a une teub encore plus grosse, apparemment, les munitions sont en nombre illimité, faudra pas oublier de ramasser les armes. Prends ça. Donc là, on doit niquer tout le monde, c'est un jeu assez violent, quand même. Next, et on passe au prochain niveau. Succès déverrouillé, Battle Begins. C'était pas super dur. Ah merde! On s'est fait double KO. Vous avez vu? Restart avec la touche R. C'est pas automatique. Les armes biotiques, c'est pas automatique. Les pouvoirs biotiques. Prends ça. Ah putain, mais il me nique là. Je suis obligé d'appuyer sur R à chaque fois. C'est déjà un petit peu chiant ça. Allez, je ramasse ça. Mais t'as vu que quand on redémarre un niveau, quand on passe au niveau suivant, on est... Oh putain, une mitrailleuse! Oh là là, la cadence de tir! Je laisse enfoncer et là je suis en mode. Là je laisse enfoncer, j'ai pas besoin d'appuyer à donf. Eh ben on reprend l'arme du début. Monique, c'est mieux le son là? N'hésite pas à me le dire. Là c'est surtout pour nous montrer toutes les armes différentes qu'on a. Mais s'il faut, c'est une teub, hein, l'arme de départ là. On se croirait dans Conker's Bad Fur Day. C'est pas évident de devoir gérer l'orientation du perso, la position du perso et ce truc-là en même temps. Je pense qu'avec une manette et le clic droit, enfin le joystick droit, ce serait peut-être plus facile. Hein. Là, ça se jouerait plus genre Lara Croft and the Guardian of Light, hein, tu vois. Ah mais putain, d'où il me touche là? Et on repart du début, hein, t'as vu? Ah mais c'est aléatoire, les armes là. Mais mon arme a changé là. Ben maintenant j'ai une triple arme, regardez. J'ai plus la mitraillette. Les armes sont random. Maintenant j'ai une triple arme. Celle du début là, du premier niveau. Et maintenant je repasse avec la mitrailleuse, je comprends pas. La sensibilité de la souris, ça aurait été bien de pouvoir la bouger. Parce que là franchement... C'est un peu compliqué. Il y a une autre arme en haut. Faut essayer d'apprendre à reconnaître les armes, je suppose, hein, leur design. Mais il y a un chat, là. Il y a un ennemi juste en haut de l'arme, je l'avais pas vu. Ah, un poil trop fort encore, incroyable. Je l'ai jamais autant baissé. Je vais le mettre à 28. Et là, on va se faire attaquer, c'est ça? Je vais le mettre à 28. Alors, ce qui est bien, c'est que... Ok, piège à con. Ce qui est bien, c'est qu'on peut reprendre l'arme, j'allais dire. Si on n'en est pas content, ben, on reprend l'autre, celle d'avant. Mais j'ai l'impression que je peux détruire leurs projectiles avec les miens, là, avec cette arme. Qui pour l'instant est l'arme la plus cheatée, hein, celle-là, la Gatling. Vous avez vu la mitrailleuse Gatling? Ça me fait trop penser au multijoueur de Conker's Bad Fur Day. Hein. Ah merde, putain. Lui, j'ai du mal.
et non pas Gildimat. Ok, encore tué. On n'arrive pas à passer le deuxième niveau, c'est incroyable. Non, c'est le troisième en fait, parce qu'on commençait au niveau 0. C'est le niveau 0 ce jeu. L4 Miami, mais oui, ça fait totalement penser à ça. Outline Miami. T'as vu, il y a des endroits sur lesquels tu peux te mettre. Ouais, comme là, j'allais dire, je suis intouchable. Presque. J'ai pas compris pourquoi tout à l'heure j'avais eu une autre arme. Peut-être un bug hein, du jeu, allez savoir. Le jeu n'est peut-être pas exempt de bugs. Chat ninja. Peut-être qu'il faut pas tuer tous les ennemis, hein, comme je m'entête à le faire depuis tout à l'heure. Mais peut-être qu'il faut juste tracer, hein, tu sais quoi, esquiver les ennemis comme ça. Regardez comme je le fais là. Ah. Si tu touches un ennemi, t'es mort apparemment. T'es quand même un petit peu obligé. Mais écoute, ça a pas l'air si facile que ça, hein, ce jeu. Voilà. Heureusement qu'on a les vies infinies. Oh, j'ai pas d'armes. Regardez. Comment j'ai fait ça? J'ai appuyé sur clic droit comme d'habitude, hein, mais là il a lâché les deux arbres, regarde, je suis à main nue. Le chat ninja, on va essayer d'y aller comme ça, tu sais quoi. Prends ça, oh putain la vache, mais c'est rapide. Merde, c'est pas facile hein, d'y aller, ah merde, je reprends la Todd. Il y a des endroits où tu peux te la mettre, c'est basique mais ça va. Ça aurait pu être pire, hein, moi je dis. La cape, c'est la nappe du L4. Ah, c'est clic droit pour lâcher à n'importe quel moment l'arme, regarde. D'accord, j'étais pas tout à fait sur l'arme, en fait. Ouais, je reprends la triple arme. Prends ça. Ça me dit quelque chose, cette musique. C'est le thème de Thibaut InShape. Oh, putain, fais chier. Et cette fois-ci, je suis Rambo. Ouais. Allez, Rambo, donne-nous ta force, là. Ouais, je vais tout péter. En fait, faut bouger sans arrêt hein, dans ce jeu. Essaye d'avoir les ennemis d'assez loin quand même. T'as vu, il y a la croix qui nous indique où ton tir va toucher. Hein. Mais évidemment, tu traverses pas les... Ça peut être une bonne tactique, hein, tu sais quoi. Technique. Bon, cette fois-ci, je vais pas ramasser ce truc, on s'en balèque. On a déjà la meilleure arme du jeu, fais pas chier. C'est dommage, ça rebondit pas. Ah, je le touche là-haut. Ça rebondit pas sur les murs. Allez, on n'a jamais été aussi loin, c'est pas le moment de faire le con. Ok, là je suis protégé, je suis safe. Y a pas de problème. Putain, mais il y a une armée d'ennemis. Des Monster Munch, il a failli me toucher. Faut profiter de chaque ouverture, de chaque trou. Faut pas sortir. Pas s'exposer trop vite au soleil. Comme Jennifer. Voilà, t'as vu? Là il restait un ennemi et j'ai pu passer quand même. J'ai pris un risque. Oh merde, j'ai plus que ma teub. J'ai plus mon arme de ouf là. Elle est vraiment pourrie cette arme. Oh, il y a toutes les armes disponibles, regardez-moi ça. Là, vu de pif, je dirais qu'il y en a seulement 3 différentes. Si c'est le cas, c'est un petit peu dommage. Hein. Pour l'instant, c'est assez basique, t'as vu. Là, si tu te fais tuer, ça t'oblige à faire tout ce chemin jusque-là. Alors, c'est laquelle la mitraillette? Ah, celle-là. Regardez celle-là, tu sais quoi. J'imagine qu'en fonction de la situation. C'est pas toujours cette arme-là qui est la meilleure, hein, et qu'il faut peut-être apprendre à jongler entre les armes. Et non pas lézard, on va lézarder au soleil. Comme par exemple, là, t'as vu, j'ai niqué tous ceux qui étaient à l'angle, là. Ici, là. Ben, rien ne m'empêche de retourner ici, de prendre le bazooka ou une autre arme, et de faire cette vague-là, ce coin-là. Oh putain, bien joué. Fait chier. Là, c'est beaucoup plus chiant de retourner au... Devoir se taper cette arme de merde... Je sais pas si on peut tuer les ennemis quand ils sont en dehors de l'écran. Merde. Loul. Oh putain. Je mitraille la touche de tir comme une bête. T'as vu, il s'est exposé de lui-même là. Je pense qu'il faut aller là. Ici là. Ouais, je suis planqué dans le trou. C'est pas ma guerre, colonel. Je vais quand même prendre une arme mieux que ça, parce que je vois qu'il y a du lourd après. Jérôme, il y a du lourd. Ah putain, failli me toucher. Ah, c'est risqué de faire ça. Ouah. Faut bouger sans arrêt, c'est incroyable. C'est typiquement un jeu qu'on a retrouvé dans l'Xbox Arcade à la fin des années 2000. C'est vrai. Rambo. Pas mal, Kankuro. Le Tubby d'hélice. Sa bite et son couteau.
Miaoumi. Pas mal. Du lourd, du très très lourd, Michel. Allez, attention. Waouh. Ils sont même pas dans l'écran et ils nous tirent dessus, là. C'est quoi ces conneries? Et ben voilà. Level 5. Les développeurs. Oh merde, j'ai plus que cette arme de merde à chaque fois. Ça c'est chiant quand même. Ah mais eux, ils peuvent pas nous tirer dessus, là, eux, là. Bah ouais. Ah bah. Bien joué. J'avais pas fait gaffe. Regardez, celui qui est en haut à droite, lui, là. Il m'a tué comme une merde tout à l'heure. Ah ouais, eux, ils nous foncent dessus quand même, attention. Eux, là. Dès que tu t'approches d'eux, c'est l'armée des zombies. Allez, je prends la... Splendide. Je prends la mitraillette et je me fais tuer. Donc là, rien t'empêche de venir ici. C'est plus facile, d'ailleurs, en faisant comme ça. Et eux, ils ont pas d'armes, on le voit, là. Je cherchais la différence entre les ennemis, en fait. Je l'avais pas fait depuis tout à l'heure, bien. Splendide. Donc eux, ça va, ils sont pas dangereux. Hein. Se faire tuer par eux, il faut le vouloir, hein. Eux, là. Même en étant nombreux, le problème, c'est eux, là. Leur arme. Des fois, ils la cachent bien, hein, ces enfoirés. Prends ça. Moi, j'ai envie de garder que cette arme. C'est vraiment une arme de bourrin. Une arme de Rambo par excellence. Putain, je l'ai vu au dernier moment, celui avec son arme. Ils nous habituent trop, hein, avec eux, là. Ils nous habituent à voir que des ennemis de merde comme ça, et ils en cachent un avec une arme dans le tas. Eux, là. Et tu te fais niquer. Vous voyez, une arme qui rebondit sur les murs, là. Ils ont pas poussé le concept suffisamment loin. Metal Slug. Bruit. Je crois que je l'ai eu, le mec, avec son arme. C'est plus simple que ça, hein. Hey, salut, Bibi300 énigmatique. Les deux anciens qui arrivent en même temps. Le skill du L4. La synchro, totalement. Attention, il y a un autre ennemi, là, avec son... Un chat Rambo. Avec son arme de merde. On va se faire niquer. Écoute, c'est pas ton... D'où ? Voilà, ça, c'est chiant. Ça, c'est le plus gros défaut du jeu. C'est quand tu te prends un projectile d'un ennemi, une balle, mais que t'avais pas vu. D'un ennemi qui est en dehors de l'écran, putain. Moi, j'ai l'impression que je peux pas les tuer, hein, en dehors de l'écran, donc eux, ils devraient pas le faire. Hein. Eux, là, c'est vraiment chiant. Hein. Ah si, je l'ai eu, là. J'ai l'impression. J'étais en dehors. Je suis Rambo. Au fait, je peux pas mettre le titre du jeu dans Twitch, hein. Il le détecte pas. En fait, t'avais un jeu qui s'appelait L4 Ace. Pareil, avec un H et C majuscule. Et en fait, c'est un jeu sur Atari 2600. Oh putain, je vous parle et voilà, j'arrête de jouer. Donc, je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, à quel jeu on est en train de jouer, là? Ben, on est en train de jouer à un jeu qui s'appelle L4. Voilà, tout simplement. Avec un C majuscule. On te voit plus avec le chat. Vous pouvez le trouver sur Steam. Depuis hier, le jeu est sorti hier. À 1,5€. Ça, c'est pour les infos. Ça. Et c'est un jeu de shoot, hein, comme vous pouvez le constater. Il y a le minimum, hein, en termes de scénario, quelques textes. Ça fait très jeu flash. Hein, jeu Xbox Live Arcade du début des années 2000. Fin des années 2000, comme disait Olex. Attention à lui, là. La musique se coupe. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Et c'est assez compliqué, tu sais quoi. Faut vraiment trouver des abris comme ça, hein, et non pas des abris bus. Même comme ça, il m'a niqué cet enculé. On a deux ou trois armes différentes. Trois ou quatre, mais guère plus. Le but, c'est pas de tuer tous les ennemis, mais c'est d'arriver à la sortie. Mais c'est déjà bien assez dur. Dès le troisième niveau, j'ai recommencé je sais pas combien de fois. Je suppose que les collisions sont pas trop mal, mais bon. Ah putain! C'est pas la première fois qu'il me nique cet enculé, là. Et non pas Monique. Voilà, ça y est, maintenant j'ai le triple coup. Ça, je sais pas pourquoi. Des fois, j'ai pas toujours les mêmes armes. Bon, ça. Bah ouais, attends, et j'ai plus ma mitraillette, là. Des fois, c'est aléatoire. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. On peut combattre à main nue aussi, hein, comme ça. Mais je vous le recommande pas. Là, tu peux être tenté de te faire tuer aussi.
Ah ben, maintenant j'ai deux fois la même arme, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah non, voilà. Ah putain! De toute façon, j'aime pas cette arme, je préfère la mitraillette. Oh putain, fait chier, il me donne plus la mitraillette. Elle a un temps de recharge incroyablement long, cette arme là. Regarde. Regarde la cadence de tir! C'est complètement pourri! Ouais, bien. Il est pas mal ce jeu. Parce que ça s'appelle L4. Voilà, la mitraillette splendide. Ça, j'ai pas compris pourquoi des fois c'est aléatoire les armes. Oh putain, fait chier. Ouh, on va souffrir avec ce jeu, je vous le dis. Hein. C'est pire que Incredible Crisis. J'ai envie de dire. Ce qui manque, c'est vraiment une arme qui ricoche. Traverse les murs, ce serait tout trop cheaté. Mais une arme qui ricoche sur les murs, ce serait vraiment pas mal. Quoi. Encore la même. Comme ça. Oh putain. Attention! Je crois que je peux détruire la mitraillette. Oui, c'est vrai qu'on dirait qu'il sert de sa teub. Waouh! Oh putain, les deux à la fois. Kalash ricoche. Souffrir en jouant à L4, c'est vrai. Des fourbes, ces développeurs. L'épreuve, elle... Oh putain! Putain, mais il a failli me niquer, lui. Lui, il est chiant, quand même. Alors ça, normalement, c'est la même. C'est ça. Et ça, c'est la mitraillette, je pense. Vas-y, glitch. Donc là, Miami, c'est mieux quand même, MDR. Ben, il y a un petit côté comme ça, hein, dans ce jeu. Ça ressemble un petit peu à Miami Vice. Hotline Miami, mais bon. Là, la difficulté, c'est que des fois, les ennemis te shootent alors que tu vois... Je crois que je l'ai eu, le mec. Avec la mitraillette. Là, j'en ai eu deux pour le prix d'un. Voilà, la mitraillette, mais on a presque fini. Je suppose. Ah, putain! Comme là, là! Je teste un truc. Ok. Quoi? Ouais, bien joué, la mitraillette. Allez, on va essayer de tracer un petit peu plus vite. Le plus important, c'est de se débarrasser des ennemis avec les armes à feu. On va essayer de passer moins de temps à couvert comme ça, hein, mais c'est risqué. Ah, putain! Deux ennemis avec une arme à feu. Voilà, tu t'entends, hein, sinon, quand il crève. Hein. Comme ça, ça peut être une indication. C'est pire que Mass Effect, hein, ce jeu. Je vais essayer de laisser quand même quelques-uns. Miaoumi. Heureusement que c'est pas un jeu coquin. C'est la semaine prochaine, hein, le prochain. J'ai l'impression que le mieux est de foncer un peu et de bien esquiver. Oui, ça dépend. S'il y a eux qui te poursuivent pendant... Ah! Ah putain. Pour l'instant, il me tire pas dessus, lui, c'est ça qui est étrange. Je suis les ennemis, c'est des balles à blanc. Effectivement. Bon, les deux à la fois, splendide. Ce qui est chiant, c'est vraiment quand tu te fais tuer. Faut commencer à bourriner dès le début. Oh, la sortie est à gauche! Mais comment ça se fait? Oh, faut faire tout le tour! Oh putain, la vache! Comment il est long, ce niveau. T'imagines, tu te fais tuer à la fin. C'est bon, je l'ai eu, là, l'autre. Faut arroser tout l'écran. Oh putain, la vache. Et faut pas rester sans bouger. C'est le meilleur moyen de se faire tuer. Alors, Bibi300, 7-3, comment c'était? Alors, mon cher Jean-Roger, votre analyse? Bien ou bien? Même si j'ai vu un petit peu avec ce que t'avais dit sur Twitter, mais... Ah, et sinon, Bibi300, là, on réagit pas quand je te tag sur Twitter. Bien, bravo. On se fait ignorer, là. À chier. Les résultats. Prends ça. L'analyse du Bibi300, à chier. Non, moi, je trouve que ça aurait pu être pire, hein, encore une fois. Mais bon, je pense qu'on a surtout kiffé, moi et les gens du live... Enfin, les gens du live et moi, parce qu'on était en live, voilà. Si on l'avait regardé chacun de notre coin, comme je disais à Steph au début, là, avant que le live commence, je vois rien, il y a des reflets sur mon écran. Ben, on se serait plus fait chier, on aurait trouvé ça merdique, je pense. Là, on s'est amusé et tout, il y a eu des jokes et tout, donc voilà. Oh bien, je l'ai eu. Oh putain, non.
Oh non, putain, fais chier. Tout à refaire. Non mais attends, c'est déjà suffisamment long comme ça, là. La manette PS4. Je donne un grand coup dans la manette PS4. Elle est par terre. Elle tombera pas plus bas. Oh, fais chier, ça fait des plombes qu'on est sur ce niveau. On était presque fini. Allez, un petit coup de tub. Ça va vous calmer, vous. Vous allez voir. Hein, du foutre. Je vous envoie mon foutre dans la bouche. Salaud. Le 3 s'est retweeté. Jus de citron. Fais-tu à la fin. Et voilà. Effectivement, c'est ce qui nous est arrivé. Une save rapide. Je pense pas qu'on puisse. L4 et le Viagra. C'est suffisamment long comme ça. Effectivement. On prend je sais pas combien de plombes. Transformé en kangourou. On prend je sais pas combien de plombes à passer ces... Putain. À passer ces putains de... Sur chaque ennemi. Merde, j'ai tué au... Slashing Minions. Succès déverrouillé. Parce que je les ai tués au... À main nue. Et non pas à main nue. Mano à mano. Oh, fait chier, on n'a pas la mitraillette. Si, c'est bon. T'apprends. C'est vraiment imprévisible, hein, leur con de... Ok. Leur saloperie de tir, là. Tu sais jamais quand tu vas t'en prendre. Tu vas t'en prendre un, si tu continues comme ça, L4. C'est vraiment pas évident. Route. Peut-être avec cette arme-là, ce serait mieux, non? Elle a une cadence de tir moins élevée, mais... Ouf. Attends, j'avais dit que le fait de se faire tuer contre ses ennemis, c'était la honte. Hein. Faut pas. Ah, fuck! Eh ben voilà! Bien joué! Je me suis fait tuer par un minion. J'avais dit que se faire tuer par eux, ceux qui n'ont pas d'armes, c'était la honte, et ça nous est arrivé. Fallait bien que ça arrive. Brute. On va brouter de l'herbe. Au moins, tu joues aussi bien que l'EDF. C'est ça, le L4 est chaud. Oh putain! J'aimerais au moins finir ce niveau, là. Tu te rends compte, on n'aurait même pas passé 10 niveaux, ça, c'est incroyable. Ah, mais je vois plus l'heure qu'il est, fait chier. Heureusement, j'ai l'heure qu'il y a sur le chat, là, ici. Enfin, pas à gauche sur le stream, mais sur la fenêtre de Twitch. Je vois qu'il est 3h32, splendide. On change de jeu dans 8 minutes. Hein. Ce serait bien de passer au moins ce niveau. Hein. Vu depuis tout le temps qu'on y est, là. Oui, l'EDF, j'ai regardé le match. Il est 14h. Pendant que j'étais en train de manger... Et effectivement, c'était pas une belle entrée en matière, j'ai envie de dire. Attention! Il avait survécu, ce connard. Incroyable. Oh, putain. Je pense que le fait de se planquer, effectivement, c'est peut-être pas... Peut-être il faut avancer sans arrêt comme ça. Hein. Peut-être vous avez raison. Oh, d'où il est mort, lui. Le problème, c'est qu'avec une arme comme ça... Allez, on teste en run. Oh. Il faut une arme qui tire en continu, sinon ça, comme celle-là. Là. Allez, on teste en run. Oh putain. Dommage. Je nous voyais aller beaucoup plus loin que ça. Ah oh, putain, fais chier. Oula. Putain, mais d'où il est là, lui? Donc, je sais pas c'est quoi le mieux. Est-ce qu'il faut courir ou est-ce qu'il faut prendre mon temps et se planquer jusqu'à ce que tout le monde soit mort comme je fais maintenant. Je pense que c'est plutôt comme ça. Malheureusement, Oulex, c'est triste. Oh merde! J'ai cliqué dans le chat. Qu'est-ce qui s'est passé? Je remarque que ça s'excite pour rien sur la VF de KH3. Les gens se rendent pas compte qu'il est trop tard. Ah bon? Comment ça? Ben moi, je l'avais dit à Fusode, hein, mais t'as vu, il a... Il m'a dit que dalle, il y a encore le temps. C'est plus ou moins vrai, mais pour moi, ça me semble un peu tard, effectivement. Quand il était venu sur mon live et que et qu'on en avait parlé, ok, je peux même pas remettre le live. Je voulais participer au Bibistro spécial coup de cœur et coup de gueule E3 2018. Alors, comment dire, Dark Souls de prévu. Alors, comment dire?
Attendez. Comment dire pour vous deux? Attendez, on va arrêter le massacre. Je vais fermer. Je me remets le stream. Hein. La fenêtre d'OBS, elle a disparu. Hein. Je vois plus. Ça change pas grand-chose, mais bon. Contrôleur 1 has lost connexion, salaud. Bon, encore une fois, c'est L4, hein. H-E-2-L-C-A-T, comme moi, avec un C majuscule. Si vous tapez ça sur Steam, et vous allez le trouver. Hein. 1,05€. Hein. Ce jeu-là, donc voilà. On va se faire un truc particulier, hein, vous allez voir, pour le deuxième jeu. Celui-là, ça en était déjà un, mais bon. Alors, comment vous expliquer? Comment vous dire? Kankuro m'a fait chier. Dark Souls, non, pour l'instant, c'est pas prévu. Il y a une petite chance que je fasse du Dark Souls-like si Sekiro Shadow Die Twice, ça en est un. Si c'est du Dark Souls-like, mais si ça en est un, je le prendrai pas. Donc, parce que je retrouve des côtés Tenchu hein, dans ce jeu. C'est le nouveau jeu de From Software, là. S'il y a un aspect Dark Souls-like dans ce jeu, ben, il y aura du jeu à la Dark Souls chez L4, parce que peut-être que je le prendrai, mais c'est même pas sûr, hein, même si ça en est pas. Donc bon. Peut-être qu'à ce moment-là, oui, il y aura du Dark Souls-like chez moi, mais là, par la démo de The Surge 1, et le Dark Souls que j'avais fait en live une fois, hein, mais t'étais pas là. Le Dark Souls 1, je l'avais fait en live le début. Et je m'en suis pas trop mal sorti, tu sais quoi. Mais bon, je suis même pas sorti du donjon du début, là. C'était Dark Souls 1, je crois. Mais peut-être qu'on le refera une fois en live, mais voilà, quoi. Est-ce que tu changeras le setup ou bien tu comptes garder le jouage qui cache 1, 2, 3? Ben, c'est dommage, je l'ai viré, là. Mais tu verras, regarde, va sur YouTube, là, clique sur l'une des rediffs, et tu verras comment c'est le setup de l'E3. Je garde le chat. Il prend pas autant de place hein, dans les vidéos de l'E3. Mais va voir, t'auras une idée du setup de l'E3. Faudrait que j'aille voir s'il y a une rediff. Oui, tous, toutes. Mais là, attends, je vais te dire, c'est lequel le numéro? Je les ai tous marqués. Attends, Bibi, je vais répondre à ta question. Mais là, tout le monde me tombe dessus. Dès qu'il y a une question, il y en a une deuxième, puis une troisième, etc. C'est assez énorme. J'ai marqué hein, tous les jeux que j'ai fait en live dans un fichier texte, donc il n'y a aucun problème. Hein, je vais te dire lequel c'est. Alors, Souls. Eh ben voilà, c'est le 37e live. Voilà, c'est le live numéro 37. Après, on avait fait Duck Hunt et Day Wish. C'était l'époque où je faisais Day Wish, hein, sans arrêt. En troisième, c'est clair. Hein, partout. Donc c'est le numéro 37. Va voir sur YouTube, tu verras, ils ont le Rediff Live numéro 37. Les numéros, ça correspond. Hein. Sauf si je me suis pas trompé comme d'habitude. Hein. Les gens posent trop de questions. C'est vraiment des fous. T'as mangé quoi ce midi? Galgen, tu l'as pas fail. Alors, le bibistro spécial, ben écoute, moi, je veux bien venir, hein, si tu veux, mais bon. Si t'es en déj de gens et que personne veut venir. Le problème, c'est que j'ai pas de coup de cœur et pas de coup de gueule. Donc bon, je vais pas servir à grand-chose. Hein. Je vais être en mode Michel Drucker de l'Internet. Je vais dire. Non, non, moi j'ai bien aimé, hein, comme j'ai fait pendant le live. Attends, laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce que j'ai trouvé nul à chier et coup de cœur et coup de. J'ai pas de coup de cœur et pas de coup de gueule, franchement. Après, si tu dis qu'on s'en fout et qu'on est juste là pour parler et dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ben ouais, je veux bien venir. Hein, Bibi a pas fait Galgen 2. Les manches avec Michel Drucker. Répondez, les Français veulent savoir. C'est quoi ta question? Je vais voir. Je suis même pas sorti du premier donjon Belvan. L'Helcobit. Avant de changer de jeu, tu nous ferais un coup de l'Hélicobit. Non, j'ai pas mon imperméable. La chaîne a été sup, on se demande pourquoi. Comme le compte de touche pas à mon poste sur Twitter, ça a été supprimé. Bon, je te propose comme ça seulement si tu veux, si tu le sens pas. Ben, autant que je vienne sur un sujet où j'ai d'autres trucs à dire. Hein, enfin, où j'aurais plus de choses à dire parce que là, se poser et parler de l'E3. Pourquoi pas, hein, mais j'ai.
J'aurais des choses à dire, hein, je pense. Écoute, mets-moi sur la liste. Et si t'as personne d'autre, eh ben je viens. Mais si t'as des gens qui auront vraiment des coups de cœur et des coups de gueule, tout ça, moi j'en ai probablement. Hein, y aura le temps de réfléchir. Hein. C'est quand déjà? C'est dans 3 semaines. Parce qu'il y avait déjà eu un bibistrot avant l'E3, hein, pour les attentes. Donc, si on suit la logique... Merci, grosse burne. De rien. Normalement, c'est dans 3 semaines, le prochain bibistrot. Donc là, il y a le temps de réfléchir, hein, à ce qu'il y a à dire. Non, j'ai probablement des trucs à dire, hein, mais c'est vrai que... Et dans 3 semaines, on aura tous oublié ce qu'on a à dire. Voilà, c'est ça. On se souviendra plus de l'E3. C'est ça qui est énorme. Donc j'aurai encore moins de choses à dire. Ça va être excellent. Plus d'épreuves comme celle de Kotor, Pokémon, Aero 4. Ben non, pour l'instant, il n'y en a plus. Hein. Si tu veux voir les épreuves que tu n'aurais pas vues, mais je pense que si, parce que tu me parles de Resident Evil 4, c'est assez ancien quand même. Ben va voir sur Dailymotion, il y en a d'autres. Hein. Sur Final Fantasy, FF9, FF8, FF7, FF1, 2, 3, 3 sur DS... Mais celles-là, c'est celles qui sont que sur Dailymotion, hein, il y a des années, hein, les premières. Hein. Mais c'est vrai que, ouais, pour l'instant, j'ai pas d'idée, hein, de faire... Il y a quelqu'un sur YouTube, là, il m'a demandé de faire une... Pourquoi une épreuve... l'habitude de bouger le micro, mais je peux pas avec celui-là. Il est trop... Je peux bouger que comme ça, là. Ouais, je peux pas le rapprocher de ma bouche ou pas. Lol. Donc, encore une fois, le micro, le Turtle Beach PX22, il est en PLS. Hein. Il est bourré de produits à punaise. Hein. J'ai foutu des bombes partout, parce que je commençais à en voir, hein, ici. Ça y est, elles investissent ce coin-là. Hein. Maintenant, c'est plus le lit, maintenant, c'est ici. Hein. Donc, j'ai tout nettoyé en profondeur. Je me suis débarrassé du micro-tige à l'emblématique, le blanc, là, que j'utilise depuis le début de ma vidéo. Je m'en suis pas débarrassé, mais pareil, j'ai mis du produit et tout, j'ai foutu dans un sac poubelle. Et là, ils sont en attente de sécher. Mais l'odeur est toxique, donc voilà. Ah, voilà, la question de BB300, que j'ai failli te le dire et j'y ai répondu tout à l'heure. Je vais vérifier quand même. Non, j'ai failli te le dire parce que j'ai vu que tu mettais pas tes rediffs. Il y a un mec qui t'a demandé à quand les rediffs, t'as dit pas cette année parce que... par rapport au... Ah, le test de D3 Become Human de 42 minutes 42. Et il y a 42 minutes que ça a été envoyé de BB300. Alors, je regarderai ça après le live. Je regarde, hein, sur mon tableau de bord. Mais normalement, non. Hein, il y a juste eu la conférence Microsoft. Quand tu vois les images de l'annonce d'un certain jeu de Capcom. Regarde. Ah, j'en ai une pour Sony, là. Regarde, conférence EA, que dalle. Conférence Square Enix, que dalle. Ubisoft, que dalle. Par contre, je vois que j'ai un message pour Sony. Mais c'est surtout Microsoft, hein, où il y en a eu pas mal. Mais c'est pas des strikes. C'est des trucs, tu sais, revendications par rapport au onglet droit d'auteur. Putain, mais c'est quand tu veux, Jackie. Ça rame un petit peu. Voilà, j'en ai eu 4, hein, sur Microsoft. C'est là où il y en a le plus. Hein. Regarde, contenu audiovisuel... De 1.38 à 1.40 de la part de Capcom. C'est le fameux jeu qu'ils ont balancé, qu'ils ont annoncé dans cette conférence. L'un des seuls que je vais acheter. Une suite d'une de leurs licences emblématiques, tout ça. Ensuite, contenu audiovisuel, Namco Bandai. C'est pour Jump Superstar, là. Avec Luffy, Naruto, tout ça, là. Ensuite, Power Zatbi Hieroglyph, là, c'est le jeu de skate, la musique, le truc audio, là. Monétisé par le titulaire des droits d'auteur. Mais tout le reste, c'est juste... ça bloque pas la vidéo, tu vois. Et celle de Nintendo, bah, c'est Splatoon Soundtrack. Voilà. Monétisé par le titulaire des droits d'auteur. Pareil. Parce que... Il y a une musique d'un de leurs jeux, et voilà. Mais ils balancent. Mais sinon, le reste, non. Hein. Tu peux y aller, je pense. Hein. Alors... Pas de spoil dans la vidéo, j'ai fait comme God of War, j'ai mis bien les spoilers audio. Ok, ce sont des revendications. Ouais, c'est ça, c'est des revendications. Parce que tu montres ou tu mets une musique qui leur appartienne, mais c'est pas de bloquer. Revendication de la CGT. Jet Set Radio de la bombe.
Le feu à l'appart, tu vas être débarrassé. Mais oui, c'est ce qu'il faut. Hein. J'ai même pensé à me barrer de là. Hein. À déménager et aller ailleurs, déjà, premièrement. Mais si elles sont dans tes affaires et que tu les amènes là-bas, c'est pas la peine. Et deuxièmement, à partir d'ici, pendant 4 mois, de retourner chez ma mère, même si ça me ferait un petit peu chier. Tu sais, là où Snake en vrai 8 a été tourné, par exemple. Et le 11, hein, avec le salon, tout ça. Le 10, le 9. Le 9, plutôt. Pendant 4 mois, comme ça, ici, elle reste ici, les punaises. Je payerai mon loyer pour rien pendant 4 mois. Mais elles n'auront plus rien à manger pendant 4 mois. Donc elles vont crever toutes seules. Je reviens, il n'y en a plus. Et on reprend comme si de rien n'était. Et là, la vapeur, tout ça, ça sert à rien. Hein, mais je sais pas. J'hésite hein, parce que ça me casse les couilles. Le test des T3 est en ligne, je vais regarder ça après le live. Connor, l'android X for Jason. Bon allez, petite pause, et on se retrouve juste après pour le prochain jeu qui va être un petit peu particulier, vous allez voir. On en avait déjà parlé, je crois, ou déjà évoqué cette possibilité. C'est déjà un truc que j'avais fait sur YouTube, ou sur Dailymotion, il y a 3-4 ans, je crois, et que là, on va faire en live, avec les gens du live. Voilà, entre guillemets. Vous allez voir. Allez, c'est parti pour la première petite pause. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Allez, à de suite, les gens. Bon. Salut, Massa, bienvenue à toi. J'attendais de reprendre l'antenne. Une tuerie, ce remix. Hein. C'est fait par un fan. Ils disent Genesis Remix, entre parenthèses. Ouais, ni d'un retour de Shitamen 2, hein. Enfin, Shitamen quoi, Shitamen 3. D'ailleurs, aussi incroyable que ça puisse paraître, il aurait dû y avoir un Shitamen 3, hein. Mais il y a 3-4 ans, hein, je veux dire. Il y a des mecs qui ont racheté la licence, qui apparemment n'était pas très cher parce que c'est des fans. Et un studio, je sais plus comment il s'appelle. Fais voir, je vais taper Shitamen 3 pour voir si j'arrive à retrouver. Apparemment, c'était prévu de faire un Shitamen 3, mais ils l'ont annoncé, mais. Mais plus de nouvelles, hein. Le forum, tout ça, il a disparu. On scratch. Non, c'est pas ça. C'est bizarre, je le retrouve pas, là. Avant, il y avait un post sur leur forum, mais le forum, il n'existe plus. Hein. It's being made. Les navets jouables. Ou presque. Shitamen 2. Tout l'assisté de Zeta Board. Voilà, c'est ça, c'est Sucker Free Games. Les développeurs qui ont acheté la licence. Mais voilà, not found, le topic sur le forum. Par contre, tu peux aller sur suckerfreegames.com. Et là, t'as leur site, mais ils parlent plus du tout de Shitamen. Hein, donc, c'est con, là, oh. Enfin, bref. Ça aurait été énorme. Hein. Je l'aurais acheté, peut-être. Bon, allez, on va jouer à FIFA 99 maintenant, sur PlayStation 1. Oula, je bafouille un petit peu. Donc FIFA 99, j'ai déjà fait pas mal de vidéos hein, de ce jeu. C'est un petit peu, j'en fais des sessions régulièrement. Hein. C'est un petit peu comme Qui veut gagner des millions. Eh ben, qu'est-ce qui se passe là? Un petit peu comme... Amstrad CPC là. Trivial Pursuit. On le fait régulièrement hein, avec les autres testeurs. Mais cette fois-ci, ça va être différent, vous allez voir pourquoi. Oula. La musique, comme d'habitude. Une OST de fou, hein, ce jeu. Alors. Comment on fait déjà? Capture de fenêtre, écran, jeu. Je me rappelle plus. Hop. Tu vas renommer tes joueurs avec les gens du chat. Et ben voilà. Il faudrait déjà, pour vous montrer si c'est vrai ou pas, faudrait déjà que j'arrive à vous montrer le jeu. Alors, capture de jeu. Fenêtre spécifique. PSXE. Je me souviens jamais si c'est fenêtre de jeu ou fenêtre, capture de fenêtre. Capture de jeu ou capture de fenêtre. Alors. Et vous allez voir si vous allez y être ou pas, j'ai envie de dire. Du foot au secours!
Et ça tombe bien avec la Coupe du Monde 2018, mais c'est pas fait exprès. Hein. C'est comme d'hab, les trucs du L4 qui tombent bien. Alors, comme d'habitude, j'ai modifié l'équipe d'Iran. Parce que j'estime que c'est la moins importante. Pourtant, quand tu vois le match qu'ils ont fait avant-hier, je sais pas regarder, mais... Il y a des questions à se poser. Les moins importants en 99, on va dire, ceux des moins importants avec l'Égypte et tout ça. Je vais vous montrer nos maillots, les maillots qu'on a à domicile et à l'extérieur. Voilà, ça, c'est domicile. J'ai modifié hein, par rapport à... Ils sont pas pareils que les testeurs, voilà, en haut à droite, j'ai envie de dire. On peut pas modifier la couleur du drapeau. FIFO ! Allez, vous avez FIFO ! Porte-maillot. FIFA 98, mon premier jeu PS1. Oui, je vais... Bref, il est un peu gros quand même, le chat. Je laisse le chat. À partir de maintenant, je laisse le chat en permanence. Hein. Je sais que c'est un peu chiant, mais c'est pour m'éviter à moi de capturer le live et de rester 2 heures à brigouille à rien foutre par semaine. Quoi, vous voulez que je baisse la taille? Mais on verra pas ce qu'il y a écrit, là. C'est vrai qu'il prend quand même une bonne partie de l'écran. Alors, et je vous montre à l'extérieur comment on est. Voilà, à l'extérieur on est en noir avec les chaussettes violées, c'est énorme. Ah, mais vous voyez pas là. Vous voyez presque pas, c'est vrai. Le musée. Ah ouais, les notifs, droit d'auteur, fait chier. On est obligé de virer le. Comme la bêta de. Et sinon, en temps normal, on est comme ça. Je vais aller dans les options hein, pour modifier le. T'as raison. C'est où les options déjà? Ça va me faire perdre un peu de temps. Non, je vais couper le son des musiques. Parce qu'en jeu, il n'y a pas de musique, hein, donc voilà. Alors, volume musique, 0. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a Fatboy Slim et tout, hein, donc... The Funk Soul Brother. Lol. Volume commentaire, bruitage, voilà. Plus de musique! Splendide! Mais c'est vrai, t'as raison. Hein. Même si, bon, avant, je le faisais pas hein, sur YouTube. Quand je faisais la Coupe du Monde des testeurs et l'Euro des testeurs, j'avais laissé les musiques. Hein. Je devrais mettre le chat sur la partie noire au-dessus de la cam, mais il va quand même déborder, hein, regarde. Je le prends. T'as vu, là on n'a pas tout, hein, et à moins de le réduire de ouf. Regarde, là on va pas lire. Hein. T'as raison, c'est ce qu'il faudrait faire en temps normal, hein, mais j'ai pas la fibre, hein, rappelle-toi. Hein. Ça va être illisible, hein. C'est pour ça que je le mets en grand comme ça, là. Parce qu'avec ma connexion du Pakistan, il n'y a pas le Pakistan d'ailleurs, je crois. On va faire la coupe du monde des gens du live. Hein. On le voit pas. On voit pas le texte. Si on lit bien, je trouve. Sérieux, comme ça, là? Je vais l'augmenter un peu. Si, si. Ouais, mais moi, en local, je... Sérieux, vous êtes sûr? Et c'est le cas, on aurait dû faire ça depuis le début, là. Je sais pas, j'ai un petit doute, quand même. Je vais l'augmenter un poil. On va faire un réglage. Je vais lui faire un réglage, tu vas voir. Franchement, ça va bien, c'est lisible. D'accord, je vous fais confiance. D'accord. Je vous fais confiance. Ça déborde un petit peu sur ma cam. Voilà, j'ai augmenté un petit peu. Bien, merci les gens. Et Gilbert Montagnier, ça passe. D'accord, putain, je pensais pas, hein. J'ai de gros doutes, mais je vous fais confiance. La fibre, il a le chibre, pas mal. Allez, je vous montre un petit peu tous les joueurs qu'il y a dans le... Il n'y a pas joueur, d'ailleurs, 1971, 73, je sais plus, qui vient d'habitude. Voilà, Santé Hammer, dédicace. Il était venu sur le... Il manque un tréma hein, entre santé et hammer. Parce que je peux mettre que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y a certains de vos pseudos qui sont écorchés. Hein. Vous allez voir, je vais tous vous les montrer. Aizen, voilà, dédicace à toi avec un seul dé. Voilà, splendide. Oui, il faut que je vous montre les stats. Amo, voilà, dédicace à toi. Pour l'instant, vous êtes tous là. Hein. Vous avez tous dit coucou, plus ou moins. Ça passe bien, t'inquiète. Merci les gens. Et confiance. Comme K dans Mowgli. Il n'y a pas de joueuse plutôt. Non, il n'y a pas de fille. En 99, il n'y avait pas encore. Là, c'est tristouné, il n'y a plus de musique. C'est naze. Bon, désolé si vous ressemblez pas à ça. Hein.
dans la vraie vie, hein, parce que je ne vous connais pas, j'ai jamais vu vos visages, hein, par BB300, énigmatique aussi. Voilà, Bibi, j'ai modifié les stats, hein, par rapport à la Coupe du Monde, on n'est pas exactement pareil. Devil Dana, voilà. Tu vois, il manque un tréma, pareil. On est dans l'équipe d'Iran, Kappa. Mais oui, mais j'ai modifié les visages et tout, hein, de tout le monde. Goéland hargneux. Voilà, j'ai mis que Goéland, t'as vu. Calme, excité, oui, oui. Voilà, L4 surexcité. Je crois que c'est moi qui suis le plus excité, hein, mais je crois que ça change rien in-game. Donc j'ai rajouté le tréma 87, parce que c'est les pseudos Twitch. K2M Zerti, voilà, dédicace à toi. Numéro 2. Parce que K2M, voilà quel humour ce L4, Kamishiro qui est pas là, bien joué. Numéro 17. Kankuro 999, numéro 99, bien joué. Je crois que c'est toi qui as la plus grosse touffe. Hein. Je regarde un petit peu le visage. Masamune Okazaki. Donc j'ai juste mis Masamune, t'as vu. Numéro 21. On reconnaît bien la barbe de L4, un petit peu. Mysterio, voilà. Enigmatique, dédicace à toi, poteau. T'es plus dans le calme, hein, t'as vu. T'es pas trop excité. Olex94, dédicace à toi. Tu peux mettre le 666. Non, ça s'arrête à 99. Donc je peux mettre 66, mais je peux pas mettre 666. Si tu veux, je le fais maintenant. Hein. N'hésitez pas à me dire ce qui va pas, hein, chez vous. La tête du Maroc. Mais oui, mais j'ai essayé de Orozco 88. Patakès 54. Popol 92. Raph Evi. Olex, il ressemble bien. Riku Chris, il m'a demandé d'être gardien. C'est le seul qui a posté dans les... quand j'en avais parlé sur YouTube. Il m'avait posé la question, il m'a dit ce serait bien de faire un live sur FIFA 99 avec les gens du live. Et je lui ai dit oui, c'est prévu. Et il m'a dit ok, mais moi gardien. Et voilà, c'est lui le gardien de but. Hein. Du coup, Steph. Voilà, numéro 14. Tapion. Tape bébé. Tsumish. Qui est pas encore là, lol. Et voilà, ça y est. Bon, tu veux que je te mette le numéro 66 alors, Devil? N'hésitez pas à me dire, hein, si vous en voulez un personnalisé, mais on va pas beaucoup jouer, hein, si ça continue. Alors. Hop. Ah, ça va être long en plus, hein, d'aller jusqu'à 66. Regarde à quel point c'est long pour passer d'un numéro à l'autre. Oh putain, les temps de chargement, quoi. Parce qu'il faut qu'il calcule et qu'il l'affiche en joueur sur le joueur en temps réel. Et c'est vieux, quoi, ce PlayStation. Donc. Le coach qui a des billes. T'emmerdes pas, je m'en fous en réalité. Je me demande s'il est déjà pris en plus, le numéro 66. Riku, arrête la balle qui arrive. Hugo Loris. Bah ouais, t'as vu? Juste pour un chiffre. Mais des fois, ça va plus vite, hein. C'est ça qui est dingue. Je comprends pas pourquoi. Bon, on attend quand même. On y est presque, je suppose. T'as vu? C'est fou comment le temps qu'il met pour calculer. C'est pas que ça rame en fait. Mais tu casses déjà les couilles à Izen. Non, c'est Devil. C'est Devil Dana. Électronique farte. Bien. Tu forces la vitesse d'ému. Ah ouais, pas con. Je suis pas certain que ça va marcher, mais... Allez, courage, plus que 16 numéros. Ah, regarde, des fois, c'est plus rapide. Voilà. T'as vu, ça a été super rapide, là. Hein. Des fois, tu sais pas pourquoi il va plus vite. Va plus vite, va plus vite. Il faut aller plus vite. Et voilà, 66, bien. Allez, sauvegardage. Sauvegarder les changements et on y go. Oui, on peut sauvegarder qu'un nombre maximum de joueurs. Hein. C'est pas... Malheureusement, on savait prendre le temps en 99, mais ouais, trop. Allez, je sais plus comment ça marche, hein, la Coupe du Monde. C'est où déjà? C'est saison? Ouais, je crois que c'est saison. Et on est obligé de la créer nous-mêmes, malheureusement. Oui, le jeu peut freeze, hein. Tu rigoles, mais oui, le jeu peut freeze. Hein. Alors, championnat ou coupe? Je crois que c'est coupe. Avec éliminatoire ou sans éliminatoire? Coupe des champions. Trophée UEFA. Non, mais c'est pas ça. Hein. C'est championnat. Parce que les trucs déjà existants, t'as vu? Ligue des champions. On en parlait pendant le live de l'E3 en plus, ça tombe bien. Alors France, Italie, Pays-Bas, t'as vu, il y a tout, toutes les stats, Allemagne, truc de fou. Angleterre, Belgique, Brésil, c'est tout! Attends, mais il y a un problème là. Ah non, c'est les clubs! Je suis con. C'est les clubs. C'est pas là, hein, les équipes nationales. Ben,
les voit pas là. Ok. Pourquoi on voit pas les équipes nationales? Si j'avais su, j'aurais modifié un club hein, plutôt. Alors, qu'est-ce qui va pas là? Ah oui, c'est créé éditeur de coupe, je suis con. Comment je faisais à l'époque? Je me rappelle plus. Éditeur de coupe ou créer championnat? Je crois que c'est éditeur de coupe. Hein. Voilà, c'est ça. Championnat éliminatoire, équipe nationale, bien. 16 équipes? C'est quoi déjà la Coupe du Monde? C'est 24, 32, je sais plus. Nombre de groupe 8. Championnat plus éliminatoire. Non, élimination direct. The Funk Soul Brother, right about now. Je sais plus comment ça marche. 32, 8. Nombre de matchs, un seul c'est suffisant. Équipe qualifiée 2. Nombre de manches par tour d'éliminatoire 1. Nombre de manches de la finale 1. Début de la coupe, on est quoi? On est en juin. Coupe IE. Je pense que c'est bon comme ça. Coupe quoi? Coupe live? On va l'appeler coupe live. Ah merde, il y a de la musique! Qu'est-ce qui se passe? Les musiques sont de retour! Ben voilà, tu les décoches dans le... Tu les désactives et ça vaut pas. Splendide, on va se faire strike. Hein. Ouais, c'est ça Fatboy Slim hein, dont je te parlais. Je comprends pas, je les ai pourtant désactivés. Live. Sébastien B, live. Allez, c'est parti. Désolé pour le temps. Tu as raison. Bon, nous on va se prendre Iran, comme d'habitude, on va prendre les meilleurs. Hein. Allemagne, Angleterre, Argentine, regarde-moi les stats. Belgique, dédicace à vous. Les Belges. Bulgarie, Cameroun, Chili con carne. Là, ils sont balèzes. Colombie, pareil. Croatie, Danemark, qui nous ont tellement fait chier, nous, la France, en Coupe du Monde. Irlande, Saint-Patrick, Espagne. La France, évidemment. L'Italie. Le Japon. C'est normal au Japon. Faut voir s'il y a la Russie. Je pense pas qu'elle y soit. Pays-Bas. Ah si, il y a la Russie. Bien joué. Ouais, dédicace à eux. Testeur. Ah, testeur. Mais qu'est-ce qu'il fout? C'est Jean du live. J'ai dit. Oh putain, j'ai un mauvais pressentiment. S'il faut, il a pas... Je me serais pas trompé, là. Tunisie, Suède. Je crois que j'ai fait une connerie. Portugal, Cristiano Ronaldo. Je crois qu'on va jouer avec les testeurs. Je crois que vous allez pas apparaître dans l'équipe. Je crois que j'ai fait charger partie. Bulgarie, Cameroun. Et en plus, j'ai quick save de ouf. Hein, donc, comme ça. Je crois que ça tous mes changements, voir, je fais n'importe quoi là pour voir. Faut voir, est-ce qu'on va jouer avec Hooper? S'il y a Hooper, c'est qu'on n'est pas bon. Faut voir. Je vais me suicider. Allez, je rentre dans le truc. Et c'est là que ça a des chances de planter. Si vous voyez Hooper... Non mais putain, j'ai pas dit de jouer le... Oh, oh putain! Oh, je vais m'énerver. Bon. On sauvegarde ici. Bon, il faut pas... On peut pas choisir nous-mêmes. Regardez. Voilà. Quand tu mets le rond comme ça, là, ça veut dire que l'équipe... Je me souviens plus, hein, je suis désolé. L'équipe qui apparaît à droite, là, est jouée par un humain. Voilà. Donc nous... Non, ça, là, ce truc... Alors, Allemagne, on recommence, hein. Argentine. En fait, faut appuyer deux fois, parce que sinon, il en choisit une au pif, hein, le jeu. Donc du coup, ce sera pas les mêmes équipes, hein, désolé. Il faut que j'arrête de quick save de ouf, là. On va mettre 4 heures pour se mettre en place. On va pas jouer, c'est énorme. Putain, les Pays-Bas, ce truc de fou! Non, mais il y a un bug, là. Il y a un problème. Hein. Testeur, j'appuie deux fois! Ah merde, on est déjà à 32.
Alors, il n'y a pas Tunisie, Yougoslavie, à place de Norvège, c'est ça? Yougoslavie. Désolé de vous avoir fait attendre. Voilà, putain, c'est incroyable. Les souvenirs avec les potes qui remontent. Là, faut mélanger hein, les groupes. Voilà, contre la France. Donc là, c'est les matchs de poule. Hein. Ouais, c'est pas mal ça. Colombie, Écosse. Mais faut regarder les autres aussi. Angleterre, Allemagne, Irlande. Belgique, Italie. Désolé, vous êtes dans un groupe de fous. Avec le Paraguay, avec Salas, tout ça. Brésil, Bulgarie, Pays-Bas. C'est pas mal comme ça. J'aime bien. Faut pas qu'il y ait trop de gros groupes ensemble. Allez, je teste comme ça. J'espère que vraiment, c'est pas normal qu'il y ait marqué testeur. Par gestion de l'équipe. Je crains le pire. La position des équipes est affichée derrière vous. Dans le taxi. Ah non, c'est bon! Kankuro, Tsumich, Nigmatic. C'est ça l'équipe? Titulaire remplaçant? Ben non, Oulex, il est remplaçant là. Oh là là, oh, putain. Masamune. Kamishiro. Y a des bugs là. Hein. C'est pas l'équipe que j'avais choisie. Hein. Il a pas gardé mes. Je vais virer Goéland parce qu'il n'est pas là pour l'instant. Kangourou en défense, t'es sûr? Je me souviens plus du poste de chacun. Là. Alors, Oulex, il est milieu de terrain hein, normalement. Je me souviens plus du poste de chacun, ça va être n'importe quoi. Je crois que K2M, c'est pas mal comme ça, non? Et L4 et BB300 en attaque, hein, comme d'hab. Et Steph. Énigmatique. Énigmatique en attaquant. Je sais plus. Je sais plus. Et L4 au milieu, ouais, c'est pour ça que je voulais deux attaquants, en fait. J'en voulais pas un qui soit au milieu. Bon, on va changer la formation. 4-4-2. Mais ça, je l'avais déjà fait, putain. Ça me gave, franchement. Dispositif tactique. Je l'avais déjà fait en off, bordel. Ça me casse les couilles, ce jeu de merde. Là, il prend pas mes changements en compte. On va pas jouer, là, avec ces conneries. Bon. Peut-être qu'il y a des settings différents pour la coupe et les trucs génériques. J'attaque sans pitié, direct dans la balle. Jean-Pierre off. Ok, on est déjà venu là, j'ai dit. Position. C'est Jean-Pierre Koff. Steph, Tsumich. Steph, ici. Tsumich, il est pas défenseur. Hein. C'est Camille plutôt, non? L4-87 en milieu droit. Mimatique. Tsumich. Allez. Bon. Peut-être vous pouvez attaquer. Hein. Voilà, L4 à gauche et BB300 à droite. Bon. On va garder comme ça. Hein. Et pourquoi il y a marqué testeur là? C'est vraiment bidon, putain. Ça bug à moitié, hein, je sais pas pourquoi. Bon, allez, premier match, ben, Écosse, hein, si on se fie à ce truc. Encore une fois, ça a des chances de planter là. Ouais, niveau professionnel, hein, c'est celui du milieu. Et sinon, c'est pro, international, tout ça là. Mais ben, enfin, putain, c'est pas trop tôt. Hein. On va faire que deux matchs. Hein. Voilà, testeur Colombie. Quick save, et c'est parti. Je sais plus comment on joue. Hein. Et voilà, Riku, Chris, Camille, K2M, Steph, Kankuro, Aizen, Tsumich, Enigmatic, L4-87, Valencia, Valderrama, voilà, Carlos Valderrama, normalement. Cordoba, De Avila, avec Thierry Gilardi hein, et David Ginola au commentaire. Et Jean-Luc Reichmann qui présente les matchs. Là. Les deux équipes sont en forme et il est difficile de donner un favori. Il est maintenant l'heure d'aller rejoindre au stade Thierry Gilardi en compagnie de David Ginola. C'est bientôt le coup d'envoi du match d'ouverture voilà, Thierry de ce Gilardi. Tournoi. Et naturellement, David Ginola donc, est RIP, évidemment. Côté. En effet, nous devons assister à un grand match. Les deux équipes sont capables de se créer. Pourquoi c'est marqué leur numéro là, bordel, je veux leur... Ouais, parce que pour que ce soit plus... J'ai quand même envie de mettre affichage score, numéro joueur avec. Ah, tu peux pas mettre les noms. Ok, c'est obligé que ce soit... Tu peux pas mettre les noms en dessous des joueurs. C'est obligé que ce soit les numéros.
D'accord. D'accord. Mais rappelez-vous de votre numéro, j'ai envie de dire. C'est donc mais s'il faut, Deville, il est titulaire. Putain. J'ai pas pensé à regarder si Deville Dana était titulaire. Voilà, allez, Olex, la bordel de merde. Le modo en chef. Voir si Deville, il est titulaire. J'ai pas... Non, non, y a pas Deville Dana. Hein. Et Masamune non plus. Allez, je fais mes deux changements. Je mets Tsumish parce qu'il est pas là. Voilà, c'est bien fait pour lui. Et je vais mettre... Et Kamishiro, il est pas là. Donc je mets Masamune Okazaki. Normalement, t'es milieu de terrain. Mais bon, je te mets en... Donc dès que la balle sortira, vous allez rentrer en jeu. Je sais plus comment on accélère. On se traîne, c'est ouf. 19. Oh, petit crochet. Numéro 14, c'est bien ça. Niveau 99, Kankuro. Hop, une petite roulette. Putain, comment t'as passé? La passe est... Allez, L4, là, espèce de triple beat. Espèce de glandu, là, prends ça. Moi, je suis le seul de qui je peux parler comme ça. Comment on accélère déjà? Je sais plus. Oh, putain, ce tacle assassin. Reste les deux jambes après ça, il aura de la chance. Ce tacle assassin, je sais plus comment on court. Ah, c'est avec triangle. Centre pour Bibi 300. Ah, putain, dommage. C'était beau. Qu'est-ce qu'il a fait, le numéro 14, là? Il a fait que de la merde. Triangle pour accélérer, c'est ça, bien, les gens. Voilà, Camille qui rentre. Et Massa. Bien joué, Bibi 300. Allez, passe en profondeur. Oh, putain, ce saut avec la balle. Oui. Je me rappelle plus du numéro de chacun. Prends ça. Allez, les mecs, on va se prendre un but, là. Mais putain! Bien joué, Riku Chris. Voilà, il a arrêté le ballon. Relance à la main. Je me souviens plus du poste de chacun. Bon football. Et putain, mais fuck là, et oh. Pas faute là peut-être. Alors que j'en fais 20 000 de fois plus que la Colombie. Bah écoute, pour l'instant, on se démerde plutôt pas mal, hein, contre la Colombie. Ils étaient relativement balèzes, hein, il me semble. Putain. Attention, dégagez-moi ça. Et ce ballon est centré trop. Plus de 100 heures dessus. Mais ouais, trop. Exactement pareil. Voilà, Olex, exactement pareil que moi. Trop d'heures passées sur ce jeu à inventer mes joueurs, mes équipes, tout ça, c'est énorme. Voilà, je remets le numéro des équipes. Voilà, regardez, hein. Le numéro, il est où déjà? Voilà, à gauche, là. Les bruitages à faire les tribunes lors d'un but. Il reste les deux jambes, il aura de la chance, mais oui, totalement. Et 21, Masamune, 12, Nigmatic. 94, c'est facile, hein, pour Olex. 16, Aizen, c'est ça, bien joué. 2 pour K2M, 14 pour Steph. Allez, on y va. Relance au pied, cette fois-ci. Remise de la tête. Et dégagement de la tête. 14, c'est qui déjà? Je sais plus. Oh putain, la vache, comment il esquive. Je sais pas qui c'est, mais bien joué. Il est ouf, hein, le 14. Pourtant, on a tous des stats de merde, hein, parce que l'équipe d'Iran, ils ont des stats pourries. Il y en a un qui était super balèze, c'était le joueur du grenier dans l'équipe des testeurs. Mais là, j'ai modifié le nom, et la tête et tout, et le numéro, tout ça, et je lui ai mis plein de stats en réserve. Il récupère la balle. Donc même s'il était balèze dans l'équipe des testeurs, là, il est pourri. Oh putain, la vache, dégagez-moi ça. Mais attention. Le gardien est battu, et le ballon est au fond des filets. Avec son c'est qui balle, j'ai pas vu. Pas le rater. Ouais. C'est qui? J'ai pas vu. Hein. Là, je le sentais qu'on sentait à meurtre, qu'on allait se prendre un but. Hein. Nous voilà donc sortis de l'impasse. C'est... Quand un joueur comme ça dans la surface, c'est pas bon du tout. Hein. Sur les boutons pour crier. Il est bon, Rico. Ouais. Aussi bon que Hugo Lloris. Allez, c'est parti. Oh! La balle passe de justesse à côté des buts. Ok. Apparemment, il est déçu. Bah, c'était Deville Dana. Hein. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais passer. Dégagement aussi mettre. Là, FIFA 18 peut aller se rhabiller, j'ai envie de dire. Rincon. Prends ça. Donc évidemment, Thierry Gilardi, il peut pas dire nos noms à nous. Hein. Il peut dire Valderrama, tout ça, mais oh bien, L4. Allez, un petit gris-gris, ça fait toujours plaisir. Prends ça, saloperie. Ça ressemble à tout sauf à un tir. Aucune inquiétude pour le gardien. Tiste. Non, c'est Jean du live, j'ai dit. Oui, je voulais centrer. Oh putain, la vache! Il se l'est pris dans la gueule, l'autre, vous avez vu? Voilà, ça, c'est un vrai dégagement. Je vais pas le faire trop loin.
Puissant dégagement loin. Allez, L4, espèce de triple beat. Joli passe. Pas couru assez longtemps. Le mec qui se met attaquant sans pitié. Excellent. Comme ça, dès qu'il y aura un but, c'est moi, c'est ça. On est entré dans les dernières minutes de jeu de cette période. Arrêt de jeu et on est dominé, c'est pas bon. C'est même pas les phases de poule. Hein. On continuera une prochaine fois, hein, je pense. Faut aller jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Mais, c'est les phases d'élimination hein, pour l'instant, comme actuellement. Là. Et voilà, on est dominé. Hein. Il faut marquer au moins deux buts. Ici, encore une fois, défaite, 0 points. Match nul, 1 point. Victoire, 3 points. Et c'est les deux équipes qui ont le plus de points à la fin des 3 matchs. Des deux équipes n'a vraiment dominé. Trois matchs, hein, l'une contre les 3 autres. On a fait que de la merde. Hein, qui va gagner. Débile Dana, salaud. Ce tacle. C'est pas les mecs qui gueulent derrière qu'il faut viser. Je lance la balle nimp. J'ai fait super nimp. Quel boulet ce numéro 19. Ah mais c'est moi. Riku est à terre. Et on peut hein, faire des fautes sur le gardien, mais c'est expulsion directe. Hein. On peut faire des simulations aussi, hein, en mode italien. C'est-à-dire, je vais essayer de vous montrer. Si j'ai le ballon, bien sûr, regardez. Le ballon change de camp. L2 plus R1. Voilà, on plonge, t'as vu ? Dans la surface, et ça peut provoquer un pénalty. Hein. C'est énorme tout ce qu'on peut faire, franchement, dans ce jeu. Faut gérer la fatigue aussi, hein, des joueurs. Allez, Bibi 300. Bien ajusté. Oh. Ouais. Oh putain le poteau. J'ai fait une Pogba. Bien Olex. Allez Devil Dana. Bibi 300. Oh putain merde. Oui, belle arrêt de la part du gardien. Il l'a arrêté. J'ai mitraillé le bouton hein, parce que c'est la même pour prendre le pour tacler et pour tirer. Et je savais que j'allais pas faire 3 pas dans la surface donc j'ai tiré direct avec Bibi mais Valencia. Ouais, sinon c'est carré pour tacle glissé. Mais l'arbitre il est gentil pour l'instant. Passe impeccable. Allez hop, crochet, ça a rien donné. Je le récupère. Là j'ai appuyé trop vite par contre. C'est pas ce que je voulais faire. J'ai vu la simu sur le match de France avec la 88e minute. Avec France-Australie. Ils nous reprennent direct le ballon, c'est hallucinant. Oh putain. Pourtant j'ai appuyé sur carré pour faire un centre. Allez, 12. Numéro 12. Oh putain la vache, ce retour, cette bicyclette, t'as vu ? Là c'est deux fois la touche ronde direct. Très rapidement. Allez Bibi 300. Ah merde, dommage. Là je l'ai fait un boulet de canon, mais un truc de fou. Aizen mal à la tête. Australie s'est résumé à des Français au terre au moindre contact. Prends ça. Attends, il nous défonçait les joueurs quand même. Ah Olex, un petit tir. Et ça passe au-dessus. Il n'y a pas Oumtiti. La défense peut reprendre sa respiration. France à l'assurance, c'est Insro. Allez, L4, fais pas le con. Ils sont redoutables, hein, c'est hallucinant. Mais en même temps, on joue vraiment des joueurs très moyens, hein, voire très mauvais. Là, ça, c'est l'ordi qui a fait ça. Hein. Parfaitement taclé. Au niveau des stats, hein, j'entends. Mais c'est normal, hein. Je veux dire, voilà, nous-mêmes, on n'est pas des vrais joueurs de foot. Donc, vous, je sais pas comment vous vous débrouillez au foot. Prends ça, dégagement de Olex. Mais dès que j'ai la balle, il me tacle, c'est incroyable. Donc c'est pour que ce soit un minimum réaliste. Hein. Là, le but, c'est que ce soit les vrais nous. Ceux qui jouent là. Ballon bien donné. Ah mais putain, il ne laisse pas une seule seconde, c'est incroyable. Perdu le ballon. Là, si tu veux marquer, c'est maintenant, Jackie. Hein. On approche dangereusement des 90 minutes. Hein. L'attaque est bloquée. Bonne défense. On n'arrive pas à circuler le ballon, c'est un truc de fou. Allez, passe en profondeur. Oui, il s'empare du ballon. C'est pas comme ça qu'il faut les faire. Celui qui tient la manette est moyen. Oui, en plus. Le danger. Je vois avoir passé je sais pas combien d'heures sur le jeu. Faut qu'on baisse le niveau de difficulté, on va jamais y arriver. Mais le premier, c'est trop simple. Cernin. Le mode de difficulté inférieur. T'imagines que là, c'est même pas le dernier, j'ai mal à la manette. Mal au doigt. Excellente passe. Allez Olivier Giroud. Une vraie frappe de mule. Un tir terrible. Une telle frappe de mule. Allez c'est parti. Hop, passe lobé. Il reste une poignée de secondes avant que l'arbitre ne renvoie tout le monde au vestiaire. Oh non, par pitié.
On va pas commencer dès le début là avec une défaite. Plus que 6 minutes, hein, faut y aller à fond, voilà, les mecs. Il n'y a pas eu de coup franc ni de corner, c'est assez énorme. C'est là où tu vois que ces matchs-là, c'est pas très réaliste quand même. Les matchs de FIFA 99. Valderrama. On va se prendre une autre balle si ça continue. Allez, là, faut foncer. Hein. Mais je sens qu'on va. Putain, voilà. Il a coupé court au match et première défaite. Premier match, défaite. Splendide. Les joueurs quittent le terrain sur le score de 1-0. Balle à la manette. Voilà, Valencia, l'homme du match, c'est lui le buteur. Le match aurait pu continuer longtemps avant qu'un but ne soit marqué. 53% de possession de la balle, hein, quand même, pour la... Bon, on a perdu notre premier match, splendide. Heureusement qu'on est dans un groupe pas trop fort. Putain, faut déjà se laisser là. Faut déjà se laisser. Il est 16h20. On n'a pas le temps de refaire un match. Hein. Voilà, regarde-moi ça. La Colombie a déjà joué deux matchs. Ils ont eu une victoire et un nul. Et ils ont 4 points. L'Écosse, ils ont eu une victoire. Ils sont à 3 points. L'Afrique du Sud, ils ont joué deux matchs. Ils ont un nul plus une défaite. Donc ils ont un point. Et nous, on est dernier. Mais on a un match de retard. Fais voir le calendrier. Le prochain match, on aurait dû faire élimination directe. On aurait perdu direct. Prochain match, c'est contre qui, là? C'est l'Écosse, hein, les meilleurs. Ben voilà, prochain match, c'est contre l'Écosse, mais ce sera lors du prochain live. Enfin, peut-être pas prochain live, mais... Faut simuler match. Non, c'est pas une simulation, c'est pour éviter de jouer, en fait. Mais c'est totalement random. Bon, ben voilà, faut voir la gestion. Et c'était un bon live. Il faut se laisser là. Chargement, c'est quand même plus court que sur FIFA 99, 98. Ouais, effectivement. Oui, il faut simuler, c'est notre dernière chance. Effectivement. Voir, je vais mettre... Je serais bien incapable de dire qui a le mieux joué. Riku, non? Kamish... Ah, Masamune Okazaki, gardien remplaçant. Ah, bah, c'est pour ça qu'on a perdu. Je l'ai fait rentrer en tant que... Il est là pour arrêter les balles, pas pour être sur le terrain. Pour faire la conduite de balle et tout, voilà. Ah, je crois que je t'ai mis gardien, là. Bon. Mais on verra la prochaine fois, hein, comment on va se débrouiller et tout. On a perdu pas mal de temps, hein, avec les mises à jour et tout. Capture de jeu. Enfin, les settings et tout, c'est ça que je veux dire. Désolé pour ça, ça s'est pas passé comme je le voulais. J'aurais voulu qu'on fasse au moins deux matchs, mais là on en a fait qu'un, c'est ridicule. Et non pas Rafiki dans le Roi Lion. Vivi a été aussi invisible que Casper. Il a brillé par son absence. Là, il a fait quelques bonnes actions, mais un tir quand même. Ou deux. Mais. C'est les attaquants qui ont brillé par leur absence là. C'était du grand n'importe quoi. Il n'y avait pas que lui, il y avait moi aussi. Les attaquants n'ont pas été très sollicités. C'est pas bien. On a fait un peu que de la merde. On aura qu'à faire un live spécial, oui. J'aurais dû le garder pour la 100e, effectivement. Bonnes actions, ne pas toucher à la balle. Bon, bah écoutez, petite pause. Et on se retrouve juste après pour le dernier jeu. J'ai aucune idée de ce que c'est. Je me rappelle plus. Allez, à de suite, les amis. Une tuerie. Bon, oui, Quake Champion et For Honor, normalement, je les ai chopés. J'ai pu faire ce qu'il faut. Ça a été annoncé pendant l'E3. Hein. Ils sont gratuits si on les prend pendant une semaine. Mais oui, donc Yakuza 0, hein, Judgment, effectivement. Et Rock Loris, je pense même pas que t'étais dans l'équipe. Alors que pourtant, Loris, quoi. Hugo Loris en gardien, et voilà. Rock Loris en gardien, il aurait pas laissé cette balle. Voilà, contrairement à Riku. C'est de sa faute. Ah, je pense même pas que je t'ai mis dans l'équipe de FIFO. Vous avez FIFO. Après, le niveau est très très élevé car la plupart des anciens de Quake... Ah ouais, quand même, oui. On va se faire poutrer l'anus. Hein. J'ai tellement envie de me refaire le 5 quand ça paraîtra sur PS4. Ah ouais, oui, c'est vrai. Oui. Oui, il a dit le... Si tu parles de Yakuza... Oui, voilà. Je n'étais pas sûr. J'ai même pas changé le nom du jeu dans Twitch. Ça y est, j'ai perdu l'habitude. Une semaine sans faire de live normal et j'ai plus l'habitude. J'étais absent, je boycotte.
Il est comme un roc, comme un mur de pierre. Il n'aurait pas laissé passer ça. Qu'est-ce que je disais ? Oui, les remasters, en fait, pour l'instant, il n'y a que le 3. C'est ça ? Sur PS4. Mais si ça marche bien, ils vont remaster aussi le 4 et le 5. Donc la balle est dans le camp des gens qui vont acheter. Loul. Fifolo ! Bon. En fait, j'aurais pas dû désactiver la capture de jeu, là. Parce que, en fait, on se retrouve sur un autre jeu PS1, là. Loul. Resident Evil 2. Non, je déconne, hein. C'est pas ça. Hein. C'est pas Resident Evil 2. Hein. Mais ça commence comme ça, Resident Evil 2. Fifo, là. Vous avez Fifo ? Oui, c'est ça. Hein. C'est comme Zeldo. C'est l'accent du schnorr. Hein. Il y avait une anecdote par rapport à ça. C'est pour ça que j'arrête pas d'en parler. Que Bibi Croissant, il avait... Prends sa fumier ! Cette musique, c'est un truc de fou. Hein. Un putain de jeu, quand même. Hein. Rockman X4. Les 3, 4, 5 sont prévus, les 3. Sérieux ? C'est comme Megaman X, tu veux dire. Ah, d'accord. Yakuza 3, 4, 5 vont arriver en remaster. Tous. Doudoum-doum. Voilà. Donc, Megaman X4, hein, on va faire en live. On l'a vu. Je rappelle donc le principe des Megaman X. Stato. En fait, le jeu commence avec une cinématique. Je vais en profiter pour montrer le... on va jouer avec X, hein, mais on peut choisir 0, hein, vous voyez. Il est plus spécialiste du corps à corps. Avec son épée, le gameplay est très différent. Les compétences spéciales sont différentes qu'on joue l'un ou l'autre. Alors, les trois premiers sont sur Super NES. Voilà. Les Megaman X 1, 2 et 3. Moi, je connais surtout les Megaman X. Hein. Avec un doublage légendaire. Il est un petit peu pourri, hein, le doublage en anglais. Quelqu'un qui a pas l'air de rigoler, je passe à cinématique. Et Megaman X du Prone. Je joue sur EPSXE. Hein. La dernière version en date, hein, normalement. Ouais, le Hunter HQ X, tu dois aller nous sauver, les Mavericks nous attaquent, ils attaquent le lagon. C'est le premier niveau, hein, t'as vu, il n'y a pas à choisir. Le Sky Lagoon. Le jeu n'a pas été traduit en français, évidemment. Quelle tuerie ce jeu, c'est un truc de fou. Le 1, 2, 3 et 4, c'est mes épisodes préférés. C'est un truc de fou, ces jeux. Par contre, les 5, 6, 7, 8, j'ai énormément de mal. Attention, dragon ! Le boss ! Hugo Boss ! Ça ramouille ou c'est moi ? Peut-être, hein. Voir sur mon retour. Là. La musique. Capcom dans le fond. Oh ! Skip, il pop des ennemis. J'ai ramassé un item pour me régénérer ma vie qui est en haut à gauche. Pour l'instant, j'ai aucune compétence spéciale, évidemment. Boss, Hugo Boss. Il devrait pas avoir de problème parce que sur PSX, ça bug contre certains boss. Ok, je m'en rappelais, effectivement. Ben, comme quoi, j'ai bien choisi. Donc, le 5 et le 6 sont presque pareils hein, que celui-là, je veux dire. Même graphisme, même gameplay, mais j'ai pas aimé. Je sais pas pourquoi, dès le début, j'ai trouvé ça à chier. Alors que celui-là, il est totalement mais cultissime, c'est un truc de fou. Mega Man! Donc ça c'est Dragoon, hein, c'est un ami à nous. Il est dans notre camp pour l'instant, j'ai envie de dire. Et c'était quand même plus joli. Le seul Megaman où j'ai pu jouer sur Saturne. Ah ouais quand même. Il était porté sur Saturne aussi. Pipipiou, pipipiou, pipipiou. Oh. Prends ça. Je sais pas pourquoi, hein. J'adore le 4 mais le... Attention, on peut se faire écraser par ces rochers de merde. Ça là. Faut pas aller trop vite. Quoi ? Ouh ! Attention à ces ennemis de merde là ! Salaud ! Avec le fameux wall jump hein, et le fameux dash. Dash 2 en 1, voilà comme on dit souvent.
C'est, moi je le recommande, hein, Megaman X4. C'est. Pas à chier dans le cassoulet. Voilà, là si j'étais resté en dessous, je me serais fait one shot. Hein. On est mort direct hein, si on se fait écraser par cette merde. Là. Voilà, les guêpes. Les bébés d'un autre boss, j'ai envie de dire. Celui du 3. Prends ça! On peut charger son attaque, hein. Deux niveaux de puissance. J'essaye de détruire le rocher depuis tout à l'heure. Et dès que j'aurai fini ce niveau, ben, je pourrai choisir l'un des 8 niveaux. Je sais plus par lequel faut commencer. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Attention, je ramasse ça! On y va! On accélère, Axel! Oh! J'ai failli me faire écraser comme une mouche! Dans le 3, il y a ça aussi, hein, je crois. Oui, Axel, c'était l'un des nouveaux persos hein, aussi dans, ben, dans le 7. Il n'y avait plus X, mais il y avait Axel. Comme Sora avec KH. Oh, le boss! Hugo Boss! Je dois vous laisser, bon fin de live. Ok, Olex, merci d'être passé. Bon week-end à toi. L'urgence de Olex. On peut charger son attaque pendant que le boss arrive. Je fais que des attaques chargées, là. Regarde, t'as la jauge de vie du boss à droite. Oh, ça fumait! Faut lui viser son point rouge hein, qu'il a sur le torse. Prends ça! Oh là! Comment je vais esquiver ça, moi? Bon, c'est facile, hein, c'est que le premier boss. Bon caca! Pas folle la guêpe. J'ai cru que t'allais dire, moi, Dash 2 en 1, je le recommande. Y a pas mieux pour laver ton linge. Ça, c'est un ennemi, le colonel. Les Ripley Force, c'est la nouvelle organisation. On sait pas trop ce qu'ils veulent. Die! Il y aura un combat de boss contre lui. Hein. Assez tendu du slip. Pew! Save. Pas besoin de save, moi je suis un vrai bonhomme. Sauf à FIFA, évidemment. Voilà, encore une cinématique. Et là, je peux choisir l'un des... Je peux vraiment les faire dans l'ordre que je veux, comme d'habitude dans les Megaman et Megaman X. Vous savez qu'il y a Megaman 11 hein, qui va arriver. Alors que le 10, il date d'il y a longtemps. Hein. C'est vraiment une série qui date d'il y a très longtemps. Mais bon, moi, j'ai pas été emballé hein, par l'annonce de Megaman 11. Parce que les Megaman normaux, je connais pas, quoi. J'y joue pas. Ceux avec la glissade, là, et pas de wall jump. Et pas avec lui, là. Le perso est différent. Je suis double. Un rookie hunter. Je suis là pour t'épauler. Et le truc, c'est, là, il nous présente chaque niveau un par un. Là. On va commencer par celui-là, d'ailleurs, hein, la jungle, avec l'araignée. Spider-Man. Et là, Loul. Révélation sur le jeu, là. Le personnage en haut à droite, ça doit vous dire quelque chose. On l'a vu au début, il nous a trahi. On commence par la jungle. J'aurais préféré un Megaman X9, hein. En plus, ça bug pas l'émulation, c'est énorme. Parce que des fois, la musique se coupe, hein, et on n'entend même pas le mec dire le nom du boss. Ça commencera toujours comme ça. Il y a une trad FR pour ce jeu, bien. Je savais pas. Truc fait par les fans, comme d'hab. Hein. Gras double. Le boss l'a creux. Bien. Alors, pourquoi c'est mieux de commencer par ce niveau? Parce que même si vous n'avez pas d'upgrade... d'armes secondaires, parce que dès que vous battez un boss, vous récupérez son arme secondaire. En rapport avec son élément, entre guillemets. Et chaque boss est vulnérable face à l'élément d'un autre. Comme là, la toile d'araignée, ben, faut l'utiliser contre le champignon. Et l'arme du champignon, faut l'utiliser contre le pan, je sais plus. Ça les empêche de bouger, hein. ça les neutralise, ça rend les combats beaucoup plus faciles. L'un des challenges du jeu, c'est de battre tous les boss sans utiliser d'armes secondaires. Et il y a des capsules à récupérer aussi. D'ailleurs, on voit une. Elles sont bien planquées hein, dans le jeu. Et ça, c'est le Dr. Light, hein, notre créateur. Et, il nous parle en hologramme. C'est un petit peu un fantôme de force, hein, j'ai envie de dire. Et, voilà. Et là, j'ai l'upcrète des jambes avec l'armure. Mais il y en a deux différentes hein, dans le jeu.
Et voilà, et maintenant je peux faire un jump, un truc comme ça là, en l'air. Et si je récupère une armure complète, je pourrais faire deux, un aller-retour, un comme ça, deux à la suite comme ça là, en étant en l'air. Et ça dépend de l'armure qu'on choisit, bien sûr. Je repose ma question, à quand une présentation de ce jeu extraordinaire? Ben je l'ai déjà fait, à l'époque de jeuxvideo.fr. Je pense que peut-être la vidéo n'est pas disponible sur Dailymotion ou... T'as raison de reposer, parce que je ne vois pas tout le temps. Mais je l'avais fait à l'époque de jeuxvideo.fr, hein, normalement. Donc je refais pas les vidéos, même si elles sont un petit peu anciennes. Enfin, je t'avoue qu'en ce moment, c'est un petit peu dur de trouver des vidéos à faire pour les vidéos du samedi. Donc peut-être que je vais être obligé de refaire, effectivement, certaines vidéos les plus anciennes. Mais bon. Eh oh, j'arrive pas à passer, là, c'est une poisson de merde. Ah! Salaud! Oh! Il a failli me toucher, cet enculé. Voilà, ça c'est pas évident, cet endroit-là. Des mauvais souvenirs sur le Roi Lion, hein, où il y avait ça aussi. Des rondins de bois. Kangourou, il est en train de spammer un truc de fou. Hop, hop, hop. On score pas pour faire des vies. Non, je pense pas qu'il y ait de score. Mais il y a des upgrades de santé pour la vie. Et des upgrades pour augmenter ta jauge de spécial, je suppose. Que j'ai pas encore. Hein, donc, ça va mal finir, ces conneries. On va crever. Time to get serious. Et des fois, les ennemis lancent des upgrades pour se régénérer, mais... Je peux charger quand je suis à une échelle. Ah putain! Il y a un checkpoint, hein. Les niveaux sont séparés en deux, hein. Et t'es régène à fond quand tu passes un checkpoint, hein. Donc là, le but, c'est ça, hein, c'est de passer le checkpoint. Voilà, c'est ça. Oh, brrr! Bien joué. On a eu une upgrade, hein. Enfin, une régénération. Ça, c'est pour régénérer sa jauge de spécial à gauche. Mais pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Tu peux prendre un jeu dans les bibliothèques de Steam où tu regardes absolument tout pour tes lives. Tu peux pas prendre un jeu dans la bibliothèque Steam où tu gardes tout pour les lives. Ouais, ça pourrait être une solution, mais il faut trouver le temps d'y jouer. C'est ça le problème. Mais c'est vrai que si je le fais en vidéo découverte, je peux plus le faire en live. Donc oui, je suis un petit peu coincé, hein, par rapport à ça. C'est un petit peu compliqué. C'est les deux, hein. Ah merde, saleté de serpent, là! Là, on a passé le checkpoint, hein, gentil. Donc oui, je suis un petit peu emmerdé. C'est vrai que si je faisais pas de live... Mais putain, fais chier ces serpents, là. Mais tous les jeux que je fais en live, en découverte, genre Darksiders et tout ça, là... Ben, je les aurais fait en vidéo découverte du samedi et j'aurais été moins coincé. Donc oui, évidemment, c'est... Mais bon, tant pis, c'est pas grave, on s'en fout. On s'amuse bien avec les lives. Quoi? Oh! Des ruches un petit peu à la Metroid. Tu sais, dans Zéro Mission, il y avait un petit peu ça aussi. Oh, un objet de soin. Splendide. Splendide. Prends ça. Hé, hé. Ah oui, je peux aussi voler comme ça. Hein, avec l'upgrade des jambes. Soit je fais ça. Voilà, en l'air. Mais je peux pas faire les deux en même temps. Soit je fais ça. Voilà, ça me permet de planer dans les airs pendant quelques secondes. Mais une fois que je vole, je peux pas l'annuler. Hein. Ah si, je peux l'annuler. Ouais. En appuyant une deuxième fois sur la touche croix quand je suis en l'air. Donc il y a la touche de saut. Mais ça, faut le savoir, hein, personne te le dit. Et c'est utile, hein, dans certains cas. Pas des vies, je spam, pas je suis actif, les autres passifs. Attends, je suis en manque, le bouton... Faux. Serpent dans l'eau, Liquid Snake. Franchement, pour un jeu chaque samedi... Puis quand il en reste plus que 10, tu dis à Camille d'en racheter. Ouais. Ça pourrait être une solution, effectivement. Là, vous voyez, quand je tire dans ces trucs-là, les rondins de bois, juste devant moi, ça ricoche. Avec des espèces de cristaux, là, les cristaux bleus. Des fois, il y a des boss qui ont des armures, et ça fait pareil. Quand tu tires, ça marche pas. C'est pour te dire qu'il faut tirer ailleurs. Là, je peux le détruire, ce rondin de bois. Mais uniquement quand j'aurai récupéré l'upgrade d'un certain boss, le truc de feu, l'hypercute de feu, là. Ça peut les brûler. Et il y a des objets qui se cachent derrière, des upgrades. Donc,
Hein, voilà. C'est pas rare que dans les Mega Man X, tu doives revenir une fois que tu auras certaines armes secondaires. Ah putain, saleté de truc de merde. Je peux pas les détruire ces trucs là. Que les trucs. Pas détruire l'étoile que les heureusement qu'il y a ce truc hein. Que les araignées qu'elles crachent, voilà. Attention sinon elles vont me foncer dessus. L'autre avantage du tir chargé, c'est qu'il transperce les cibles. S'il y en a 5 réunis au même endroit, ça tue les 5 hein. Planer smokeweed everyday, excellent. Trop de serpents Orochimaru, viens ici que je te bute, enculé. Le boss, Hugo Boss, c'est parti. Un petit dialogue hein, avec l'araignée. Et le scénario varie légèrement hein, selon que vous prenez lui ou Zéro. Tu nous as considérés comme des Mavericks, ça va jamais aller. Allez, je charge mon attaque, c'est parti. Thème des boss, Hugo Boss. Target. Il faut faire des... Faut pas se faire toucher par ça, sinon on est paralysé. Pendant quelques secondes. Ça, là, ce truc. Ah, merde, je l'ai pas touché. Ah, putain, je me fais niquer par ce truc de merde. Dès qu'il aura passé la moitié de ses points de vie, il passera en deuxième forme. Parce que oui, il a une deuxième forme, contrairement aux autres. Enfin, son comportement va changer, on va dire. Tiens, il a même pas tiré, là. Ah, merde, j'ai raté. Mais normalement, faut faire comme ça, hein. faut jump. Voilà, et tirer dessus quand on retombe. Mais vous voyez que c'est assez simple, il fait qu'une seule attaque hein, pour l'instant. Putain, merde. Prends ça. Deuxième forme, et maintenant il va rester au milieu. Et là, c'est beaucoup plus dur. Voilà, là ça rebondit, t'as vu. Prends ça. Saleté d'araignée. Target. C'est tendu du slip. Le L4 va-t-il s'en sortir? Là je joue un petit peu comme de la merde. Je me fais toucher deux fois, je suis foutu. Là c'est le moment d'esquiver, Jackie. Oh putain! Tué par un bébé araignée, bien joué. Sabine de Fred et Jamie. De C'est pas sorcier. Deuxième forme, sel. Le sel du boss. Voilà, le sel du L4 qui se fait tuer, là. C'est quoi, ça? Je sens que là, on va avoir game over, là. Et qu'on va retourner au début et qu'on va prendre un autre ennemi sans... Allez, on doit se retaper la première forme. Bien joué, pauvre con. Là. Prends ça. Ouch. C'est chier de m'être pris ces trucs de merde, ils sont pas faciles à gérer quand même, les ennemis. Mais normalement, faut rester en bas, hein. Faut pas sauter comme je fais. Et voilà, et dès qu'ils apparaissent, tu lâches ça, et ça les tue tous, hein, normalement. Ah putain, saleté de... Toi, le dernier de merde, là, ça... Regarde-moi ça, ça nous fait deux fois les dégâts, bien. Ça nous... Je suis déjà mal barré, là. Autant recommencer, Jackie. Ah. Ouais, bien joué, je l'ai touché. Mais je joue pas comme il faut, en fait. Là. Target. Prends ça. Allez. Et voilà. Je me suis fait toucher deux fois par la toile d'araignée et une fois par le boss parce que j'étais sur lui. Wouh. On fait que de la merde, là. D'habitude, je joue mieux que ça, là, alors. Le L4, dès qu'il a pas les quick save, ça va plus du tout, là. On peut pas excite. Quoi ces conneries là? On peut pas excite. D'accord, je suis obligé d'avoir game over. La vie tenait qu'à un fil, c'est ça. Et il donne du fil à retordre, bien. Bien joué. Bon, ça commence à me lourder ces conneries là. Je suis censé être un bon joueur de Megaman, ça va pas du tout. En sachant que, contrairement à la Super NES, vous avez deux boutons qui servent à la même chose, mais pas vraiment. Il y a des petites différences, j'essaie de vous expliquer ça. Prends ça. Ouais. Là, c'est chaud, hein, comment je fais avec la manette.
Où te caches-tu, salaud? J'essaie de vous expliquer. Ouais, c'est un peu mieux, là. Oh, il a même pas tiré sur moi. C'est tendu, quand même, hein, l'esquive des trucs, là. Ouah, comment j'ai fait pour passer au travers? Voilà, c'est déjà un peu mieux, là. Ah, attention! Alors, vous avez le bouton croix qui sert... Attendez. Parce que là, c'est tendu du fion. Alors... Bah non, en fait... Attendez. En fait, c'est juste pour être... Ça y est, deuxième forme! Ah, mais là, il m'a touché. Là. Parce que je reste en l'air. Oh, attention! Putain, c'est beaucoup plus rapide, cette merde. Voilà, c'est là qu'il faut le faire. Putain. Mais bordel, fais chier, il en a balancé combien de ces merdes? Oh là là, catastrophe totale, et c'est foutu. Un coup de fil. Alors on se fait une toile. Si c'est son avenir, concentre-toi, perds pas le fil. À cause de vous, là, bien joué. Je joue pas à qui veut gagner des millions. Bon, ça a été catastrophique. C'était parfait, la première forme. Mais dès qu'on a atteint la deuxième forme, on s'est fait submerger de partout. Et ouais, gangbang. T'as vu comment ça a filé, là, la vie, là. Bon, ce que j'essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure, c'est qu'on a deux touches qui servent à la même action. Donc la touche de tir, vous voyez, carré, ça là, ce que je fais depuis tout à l'heure, et triangle. Mais, il faut savoir que vous pouvez charger, avec certains upgrades, vous pouvez charger vos attaques spéciales, vos armes secondaires. D'ailleurs, je crois que c'est le seul jeu de la série où on peut faire ça, enfin, le premier où on peut faire ça. Et donc, quand vous êtes en train de quand vous êtes équipé d'une arme secondaire et que vous faites ça là, ben vous balancez le coup chargé de l'arme secondaire en fait. Mais avec carré, si vous utilisez carré. Mais si vous le faites avec triangle, vous ferez le coup chargé de l'arme secondaire en fait. Pas le truc normal comme ça là. Donc ça vous donne la possibilité de faire les deux sans avoir à repasser par un fer à repasser. Oh merde, d'où il a fait ça, ce connard? Mais putain, trop rapide cette bouse là. Oh ça, faut pas être trop pressé. Target. Putain, c'est super rapide. Ah putain, il l'a fait deux fois. Encore une ou deux fois, il est dead, hein, le boss. Oh la vache. Encore une fois, il est foutu. Voilà. Eh ben, quand même. Putain. Toutes ces vannes fidèles anglaises. Et marcher en file indienne. Du fil dentaire, veille donc. On les aura toutes faites, là. Merci. Et voilà. Et j'ai gagné sa toile dernier. Donc, le prochain, c'est le champignon. Et vraiment, le boss devient inoffensible. Inoffensive, hein, avec ça, là. Lightning Web. Ouais, charge électricité, double jump. Donc ça, c'est la subtilité, hein. Faut bien maîtriser le gameplay. Merci. T'as enfin réussi à te l'enfiler, ce boss. Vous voyez, c'était ma dernière vie, hein. Donc le prochain, c'est celui-là. Voilà, Biolab. Le champignon. Et je vais vous montrer ce que ça donne, les armes secondaires, du coup. Comment ça marche. Mais putain, comment ça marche? Split Mushroom. Le laboratoire. Vous voyez, il fait des attaques de poison. Normalement, il peut même se dédoubler, hein, pour nous attaquer avec ses clones. Il est un peu chiant. Les niveaux sont assez variés les uns les autres. Hein. Oula. Ouais, là, vaut mieux passer en force, hein, cet endroit. Même si on perd des points de vie, c'est pas grave. Hein. Les fameux chauves-souris, hein, emblématiques de Megaman. On va crever si ça continue. Voilà, ici. Ça ne tenait qu'à un fil. Effectivement. Alors, est-ce qu'il y a un truc de soin quelque part, là? Il me semble qu'à un moment, il faut... Oh putain, il fallait pas faire ça. Ça non plus. Je vais crever si ça continue. Alors, c'est où que le truc s'affaisse, là? C'est pas ici? Il me semblait qu'à un moment, le... Bon, attention, on va crever, là. Hein. On a plus beaucoup d'énergie. Hop!
Ah, il y a un passage qui est pas évident en plus. Ah putain, il se régénère cet ennemi de merde. Souvenez plus. Il t'en qui tire. Le passage se referme derrière moi, c'est n'importe quoi. Time to get serious, il dit. Je me suis touché une fois, je suis mort. Ouf. Putain, si j'avais pas volé. Je l'ai pas volé celui-là. Il y a des pics, hein, attention. Ouais, mais c'est pas ça qu'il faut, c'est les points de vie. Alors, je vous montre quand même les armes avant qu'on se fasse tuer. Touche L et R. Et voilà. Et là, on s'équipe de Web Spider. Et là, du coup, maintenant que j'appuie sur la touche carré, et ben voilà. Et ça fait ça. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que touche carré, donc il y a la touche de tir normalement, ça balance l'arme secondaire. Vous voyez que ça épuise mon pouvoir en haut à gauche de l'écran, là. Et là, l'ennemi qui est pris dans la toile d'araignée, et ben il se prend des dégâts, en fait, continuels, là. Mais pas seulement. Vous allez voir si j'arrive à... Voilà, regardez. Vous avez vu ? Je peux m'en servir comme d'une plateforme. Et c'est le seul moyen d'accéder à certains... Regardez, je marche dessus, hop, et je saute. Et je peux m'en servir comme une plateforme, c'est totalement énorme ce truc. Sinon, les pics, ça me tue. Et donc, si je fais la touche triangle, et ben je tire avec mon arme normale. Et pas avec l'upcrète. Ça que je voulais vous expliquer tout à l'heure. Désolé, j'écoutais pas. Attention! Je reload. Rien à foutre, je veux pas le savoir. Attention à eux, là. Merde, comment on passe, là, déjà? Oh putain, c'est tendu, le chien! Un coup de fil. C'est chier de plus avoir... plus avoir de points de vie, là. Ouais. Attends, c'est tendu du fion, là. D'accord. Mais putain. Ok, d'accord. La musique qui avance plus. Comment on passe déjà en temps normal, là? T'es sûr que c'est comme ça? Ça me semble bizarre. Je copie L4. Allez. Oh, putain. Ouais, bien. On est raigène. Ce tricheur, carrément. Oh merde, c'est quoi qui me touche, là? Ah putain, c'est lui, là. Lui, là. Il était caché par les coccinelles de merde. Le chat. Attention de pas tomber, parce que c'est un trou, là. En bas, là. Ah, un mini-boss. Et oui, c'est vrai, de temps en temps, il y a des mini-boss aussi. Bon, alors lui, il est assez particulier. La triche, GG. Regardez, il faut le laisser approcher. Voyez, dès qu'il clignote, hop. Enfin, il clignote pas, mais bon. Attention, vous n'avez que très peu d'essais, hein, pour vous farcir ce boss. Prends ça. En fait, il s'arrête au bout d'un moment, t'as vu? Et là, tu peux pas le toucher quand il est comme ça, là. Et au bout d'un moment, t'as vu, il détruit le décor. Et là, tu peux en profiter pour le bourriner. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il peut tout détruire. Comme là, c'était limite, hein. Vous n'avez pas beaucoup le droit à l'erreur. Vous devez profiter de... Dès qu'il saute, il détruit le décor, une partie de la plateforme. Il s'arrête là où vous êtes. Et c'est particulier, hein. Au bout d'un moment, il reste plus rien et vous tombez dans les pics. Yes! Area 2. Et on va s'arrêter là, je pense. Ah, encore cet escalier de merde, là. Il va encore falloir avancer à donf. On verra ça pour... une prochaine fois, je suppose. Hop. Alors, capture de jeu. Bon. Bon, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce retour de Cécile de mini-boss, excellent. Des lives normaux. Un tricheur, il est 17, 15, on rejoue avant 2 heures. Malheureusement, c'est déjà terminé. Rendez-vous pour un prochain live, ce sera pas le prochain, je suppose, pour la suite de la Coupe du Monde des gens du live. Je peux pas vous dire quand ce sera, mais on verra bien, on va essayer de mieux briller qu'aujourd'hui. Oui, pour le live là, parce que celui-là il est un peu chiant quand même, ce casque. En fait, il y a beaucoup plus de parties en plastique, hein. Donc, là c'est du plastique, là. Alors que l'autre, le Turtle Beach, c'est du caoutchouc. Là, le seul caoutchouc qu'il y a, c'est ici. Ça, là.
Donc il est un peu chiant ce casque. Normalement, vous devriez sentir une très légère diminution de la qualité. Les S sont un peu plus étouffés. Il y a beaucoup moins de réglages. Hein. Le boîtier pour contrôler le volume, il est pourri. Hein. Il y a juste une molette ici pour régler le volume. Mais c'est tout. Hein. On ne peut pas régler les basses, tout ça. Il y en a moins 5 ou 6 sur l'autre. Le cerveau en plastique. Je vais essayer de le reprendre, le PX22. Je vais essayer de le nettoyer du mieux que je peux pour ne pas risquer de m'intoxiquer, encore une fois. Et pas remarqué, pas fait attention. Ah ben bravo. Mais si je peux pas, si je vois que si je renifle et que ça pue encore la merde, je le jette à la poubelle et j'en rachète un autre. Hein. Le même, hein, PX22 normalement. Ou 24, mais je sais plus, j'avais lu que le 24 il était moins bien que le 22, je sais plus trop pourquoi. À me confirmer, hein, si vous le savez. Tant pis, hein, c'est pas ce que ça coûte. Ce sera pas une énorme perte, mais j'ai failli niquer mon écran hein, aussi ce matin. Et mon téléphone, il est foutu. Hein. Je vais regarder. Rien qui s'affiche. Hein. Loul. C'est... J'arrive plus à l'allumer. Franchement, ces téléphones modernes, c'est un petit peu de la bouse hein, quand même. Hein. Tu peux même pas les foutre dans l'eau sans qu'ils survivent, là. Et maintenant, ils marchent plus, là. Ils veulent plus s'allumer. Ça les fout en l'air quand tu les mets en contact avec de l'eau. C'est n'importe quoi. Ouais, j'imagine que c'est un peu de ma faute, mais bon... C'est il y en avait là-dedans aussi. Donc j'ai foutu du produit et tout. Je suis en train de tout flinguer. Hein. Mais bon. C'est pour vous dire que c'est vraiment de la merde, hein, ces insectes. Ah, c'est dommage, franchement. Et ça pue le produit, hein, encore. Hein. Alors j'imagine qu'il y a de l'eau qui s'est infiltrée là-dedans. Et puis voilà. Il veut plus s'allumer maintenant. Donc, un conseil, ne passez pas votre téléphone portable sous l'eau. On est sous l'eau ? C'est con, parce que avant que je l'enlève et que je le démonte, comme ce que je viens de faire, là, il s'affichait encore, hein, le truc, mais j'arrivais pas à taper sur le tactile. Tu sais, comme quand il pleut. Ben là, c'est la même chose. Hein, il veut pas, hein. Il reste tout noir, hein. Donc je suis bon pour racheter un téléphone. C'est dommage, ça m'emmerde parce que j'en ai besoin hein, du téléphone. Pas pour socialement tout ça, parler avec des gens, on s'en fout. Mais c'est ma carte de bus pour recharger mon abonnement là tous les mois. Mais il faut envoyer un SMS de la banque là, vous savez, une autorisation là-dessus là. Sinon tu peux pas autoriser le paiement. Et maintenant je peux plus le faire. Splendide. Ça pue le produit. On m'a perdu. Ça sent le Viagra. Niquez ton écran. Non, parce que j'ai foutu de la vapeur là-dedans aussi, là. À un moment, il s'est éteint, là. Il m'a fait peur, ce con. Mais c'est bon, il a survécu. Ça fait un moment Kankuro. Donc tout ça, c'est pour vous dire que c'est pas évident. Que le L4... Le L4 va devoir marcher. Mais oui. Il est pas trop loin, l'Intermarché, mais... Ouais, mais avec les sacs et tout, ça pèse 3 plombes, c'est pas évident. Ma vanne sur Cécile, ouais, effectivement, le timing. Tout ça, c'est pour vous dire que le L4 est dans une mauvaise passe, c'est ça. Surtout que j'ai appris qu'il y a un voisin qui en a un lui aussi, donc si je m'en débarrasse ici et que ça revient après, apprendre à conduire. Mais j'ai le permis, mais j'ai pas conduit depuis 10 ans. Je l'ai le permis, hein, mais... Mais j'ai jamais eu de voiture, enfin, presque. Mais j'ai arrêté de conduire après, donc là, autant dire que... Et même quand je savais conduire, même quand j'avais le permis, de toute façon, je faisais que de la merde, donc... Donc bon. Mauvaise passe FIFA. Pas mal. La mauvaise passe de ses coéquipiers.
Il n'a pas su gérer la direction du ballon. Enfin bref, voilà, on va se laisser là. Merci à vous d'avoir été présents pour cette reprise des lives normaux. À partir de maintenant, c'est comme d'habitude, hein, on se retrouvera tous les samedis de 15h à 17h et pour des pools sur Brave Exvius, des sessions FIFA 99, des sessions qui veut gagner des millions, Trivial Pursuit, des nouveaux trucs, et comme d'habitude, hein, des jeux coquins. D'ailleurs, rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain. Et oui, un jeu réclamé. Et s'il faut, les gens qui me le réclament, ils seront même pas là, hein, comme aujourd'hui. Donc génial, j'ai envie de dire. Donc passez un bon week-end et bonne fin d'après-midi. Et bonne soirée. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis.